Refait le Mac, le podcast chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com, mais également sur la plupart des portails de partage de vidéos, sur Clubic, sur la page Facebook du magazine iCreate, le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Une émission exceptionnelle, réalisée ce soir en direct avec les moyens techniques de Vuon TV, merci à eux. On refait le Mac en association avec le magazine iCreate, s'est mobilisé pour vous faire suivre la keynote d'Apple de présentation des futurs iPhones en direct. Mais avant de vous présenter nos invités, tout de suite, c'est le sommaire. Après un long feuilleton qui aura duré tout l'été, Apple s'apprête enfin à dévoiler son ou ses nouveaux iPhones. Va-t-on assister à une simple mise à jour ou un vrai bouleversement de la gamme du téléphone d'Apple? Quid des iPods dont les modèles n'ont pas connu de mise à jour depuis plus d'un an? Doit-on s'attendre encore à des fonctions surprises dans iOS 5? Et quel sera le one more thing qui ponctue traditionnellement les keynotes d'Apple? Les réponses en direct avec nos acolytes habituels qui vont décrypter à chaud les annonces de Tim Cook. Cette émission, c'est aussi la vôtre. N'hésitez pas à intervenir tout au long de ce live en nous posant vos questions via le Twitter d'OnRefaitLeMac et du magazine iCreate. Et en fin d'émission, n'oubliez pas notre concours pour emporter 5 licences de FIFA 2012 pour iPhone ou iPad. On refait le Mac, épisode 74. Let's talk iPhone. Ce plateau ce soir avec moi en direct pour le lancement des prochains iPhones, Alexandre Lenoir du magazine iCreate. Bonsoir Alexandre. Salut Olivier. Tu peux montrer le magazine parce que la dernière fois on l'a pas présenté. On l'a pas présenté. On s'est voilà. Fait engueuler. Voilà le iCreate avec en couverture Steve Jobs. Ça commence déjà à être perturbé, ça promet. Alexandre va garder tout au long de cette soirée un œil sur le fil Twitter dont refait le Mac et d'iCreate France afin de sélectionner vos questions. N'hésitez donc pas à nous poser vos questions. Nous tenterons d'y répondre live. N'oubliez pas de finir vos tweets par l'hashtag #QuestionsAuréLM. Autre journaliste présent sur le plateau ce soir, Emmanuel Paquette du magazine L'Express. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Olivier. On va essayer de refaire comme il y a deux mois pour le lancement de rien du... Oui, il y a eu le lancement de l'Ion en juin, mais ça avait tenu cette fois-ci. On espère que la connexion tient. Et autre invité, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas eu dans ce podcast, c'est Emmanuel Torregano du site electronlibre.info. Comment ça va, Emmanuel? Bonjour, ça va très bien, content de revenir. Bien. Ce soir, nous n'avons pas Monsieur X qui est indisponible malheureusement. On pense très fort à lui. Mais il manque deux autres acolytes que vous avez l'habitude de suivre dans Refait le Mac. C'est bien sûr Cédric Ingrand de la chaîne Info et Rodrigo Sepulveda Schulz. Ils sont actuellement au Japon. Alors, on va essayer de les appeler en duplex de Tokyo. Cédric Ingrand et Rodrigo, vous m'entendez? Konnichiwa, messieurs. Alors, Cédric, tu m'expliques qu'est-ce que vous faites au Japon? Au lieu d'être à Cupertino, vous êtes trompé d'avion, les gars? Non, justement, on est allé où se trouvait la véritable actualité de la semaine, j'ai l'impression, mais on en reparlera. C'est Seatech, c'est le CES japonais, si je peux faire un peu rapide, ouais. Où il se passe plein de trucs intéressants. Et puis, et surtout, bizarrement, je sais pas, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose au Japon, parce que tout à coup, ils sont tous passionnés par les énergies vertes, le renouvelable, le fait qu'on a l'électricité à la maison, recharge ta voiture électrique, etc., etc. Bien, on est content que ça marche, parce que c'est pas toujours évident, l'Internet, mais ce soir, ça a fonctionné. On essaiera d'appeler un peu plus tard parce qu'on a une autre personne qui est normalement à Londres, c'est Marc Mitrani du magazine iCreate et du JDD qui est invité par Apple pour suivre la keynote en vidéo transmission par satellite dans un Apple Store à Londres, c'est pratique. Dès qu'il rentre dans la salle, il nous appellera, dès qu'il aura une connexion Wi-Fi, on essaiera de le contacter
avec Skype. Messieurs, je vous propose de faire un point. On est à H-15 avant le début de la keynote à Cupertino. Il y a eu beaucoup de rumeurs ces dernières semaines, messieurs, autour du lancement de l'iPhone. Il y a eu effectivement beaucoup de rumeurs autour de l'iPhone 5, et puis il est arrivé l'iPhone 4. Puis il y a un événement vraiment important qui a tout déclenché, qui a vraiment perturbé, je dirais, la communication d'Apple, et notamment a étonné beaucoup d'observateurs. C'est le fait que c'est le lieu de la conférence. D'habitude, ça se tient au Moscone Center ou au Buena Vista, ou presque. C'est pas loin. Yerba Buena Center. Yerba Buena Center. Là, c'est un choix différent. Alexandre, ce soir, ils ont fait. C'est plutôt une salle qui est d'ordinaire pour des événements plus mineurs. Pas nécessairement. Hein. Apple a quand même présenté des choses majeures dans cette salle. Il y a eu le MacBook Air. Il y a déjà eu des iPods. Au temps où de toute sa splendeur. Donc je pense que le choix de la salle n'est pas forcément représentatif de ce qui va être annoncé ce soir. On peut aussi penser que Tim Cook a voulu faire modeste et jouer à domicile. Cédric, je ne sais pas si tu nous entends à Tokyo. Parfaitement. Alors tu tout au long de cette semaine, tu as pas mal construit des théories hein, cette keynote. Alors d'après toi, qu'est-ce que ça signifie le fait que Apple ait choisi un endroit un petit peu confidentiel entre guillemets où il n'y a que 200 places contre près de 5000 au Moscone Center? Alors je suis pas d'accord sur le MacBook Air. Hein. Le MacBook Air, il a été lancé, c'était soit le Moscone Center, soit le Yerba Buena. Je me souviens très bien de la grande salle noire. Là, la salle qui va être utilisée, c'est la salle des town meetings, des conférences de presse de Cupertino. C'est petit. Il y a un écran qui est plus petit que celui d'une petite salle de cinéma. Enfin, c'est pas terrible. Et d'ordinaire, petit endroit, petit événement. D'autant que même les retransmissions pour les journalistes, normalement, la presse européenne est invitée dans les studios de la BBC, pardon, à Londres. C'est dans un Apple Store. Normalement, l'échelle de l'événement est à l'échelle de l'annonce. Et la seule vraie question au fond, c'est de savoir est-ce qu'il y a vraiment un iPhone 5, c'est-à-dire qui rattraperait la concurrence en termes de spécification, ou est-ce qu'on s'attend juste à un petit ripollinage de l'iPhone 4 tel qu'on le connaît, avec un meilleur capteur, plus de mémoire, un meilleur processeur, etc. Si ce n'est que ça, ce sera pas très grave pour Apple en termes de chiffre d'affaires, parce que l'iPhone 4S sera encore plus rentable. Je pense que là, les fans de la marque vont avoir raison de s'inquiéter un petit peu. Puis ça posera des choses aussi sur la gestion du secret, parce que on peut pas en vouloir à Apple de ne pas lancer des choses qu'ils n'ont pas annoncées. Or, évidemment, on a tous vu les 6000 prototypes d'iPhone 5, qui sont peut-être finalement juste l'iPhone de l'année prochaine. Rodrigo, le fait effectivement que ça soit comme ça une salle où il n'y a pas eu d'événement majeur, il y a quand même eu un événement majeur dans cette salle dans le passé. Souvenez-vous, c'était lors du lancement de l'iPod. Steve Jobs avait choisi cette salle pour présenter le premier iPod avec le succès. Non, pas du tout. Non. Le premier iPad, c'était le Yerba Buena, je le sais, j'y étais. iPod. Voilà, iPad. Cédric. Il faut tourner la langue trois fois dans sa bouche. Allô Paris, je connais que j'ai, je vous voilà. Entends très mal. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Rodrigo, que ce soit aussi une manière pour Tim Cook, c'est sa première keynote qu'il va présenter ce soir, une manière de marquer son empreinte. Ça suffit, Emmanuel. De marquer son empreinte et peut-être une manière de se différencier de Steve Jobs, parce qu'on sait qu'en matière de présentation de keynote, il était très fort le garçon. Là, vous voyez les images avec l'iPod et la présentation de Steve Jobs en 2001. Merci Alexandre. Voilà, ça va être difficile, il y aura toujours cette comparaison. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, tu penses, de Tim Cook de marquer sa différence en choisissant un lieu plus confidentiel et en étant peut-être un peu moins showman? Il faut ouvrir le micro de Rodrigo. Attendez, bougez pas, je passe la mienne. Voilà, on va faire comme ça, c'est pratique. Voilà. Et là, c'est mieux ? Oui, c'est mieux, Rodrigo. Bon, bonjour à tous les internautes qui nous regardent, quand même. Oui. Sur tous les portails vidéo et les autres. Oui. Non, mais c'est bon, c'est pas encore parti, on peut raconter des bêtises. Moi, j'ai souvenir, en fait, d'une keynote qui avait lieu sur le campus Apple. Alors, je ne sais pas si c'est dans cet auditorium-là, mais il y a bien 5 ou 6 ans, il y a une keynote là-dessus. Moi, je regarde depuis très longtemps les keynotes. Il y en avait une qui était sur le campus d'Apple et qui n'était pas à San Francisco même. Était-ce juste l'histoire de l'Antenna Gate, hein. Moi, le seul événement récent dont je me souviens qui soit passé là, c'est l'Antenna Gate. Bref, c'est une salle de conférence avec quoi, 150, 200 places à tout casser. Parce qu'apparemment, je vous coupe, messieurs. Petite seconde. Voilà. Alors, je sais pas, est-ce que le retour que j'ai dans l'oreille qui m'arrache la moitié du cerveau passe à l'antenne ou pas, messieurs? Il faut me faire signe. Bah, écoute, j'espère que non. Marc Mitrani, oui, est-ce que tu m'entends? C'est Olivier dans Refait le Mac. Oui, salut Olivier. Oui, je t'entends, je suis enfin arrivé. Je suis effectivement donc dans l'Apple Store de Covent Garden,
qui a été entièrement réaménagé pour l'événement, puisque les traditionnelles tables en bois que l'on voit généralement dans les Apple Store ont été entièrement vidées de toute leur signalétique, de toutes leurs machines. Il y a une espèce d'immense écran qui a été installé sur lequel sera projeté, je pense, le keynote. Et on se trouve sous une verrière du Club LFR, qui malheureusement est dans les nuages londoniens. Voilà. Donc si j'ai bien compris, Marc, Apple a réuni dans un seul endroit l'ensemble de la presse européenne, c'est ça, pour vous faire vivre par satellite la keynote. Pas l'ensemble de la presse européenne, contrairement aux autres fois où le keynote est il y a beaucoup de journalistes. Généralement, on est à peu près 400. Là, on doit être au maximum une centaine, hein, je pense, de journalistes. Bien. C'est un peu difficile de dire quel est le nombre de journalistes présents, puisque il y a parmi eux également les gens, donc les représentants de la presse Apple, etc. Et également sur le second étage de l'Apple Store, ils ont mis pas mal de gens donc qui ont des caméras, donc tout ce qui est presse filmée. Marc, donc on va essayer de te faire intervenir épisodiquement dans cette émission parce que tu dois en parallèle écrire ton papier pour les différents supports pour lesquels tu travailles. Ce qu'on te propose, c'est que tu nous rappelles dès que la keynote commence pour faire un premier point et on reprendra la main tout de suite derrière. À tout à l'heure, Marc. D'accord, donc quelques minutes après le début de la keynote, je vous rappelle. Dès le début même, tu peux nous appeler dès le début, dès que ça commence, juste pour savoir qui va présenter la keynote et ses maîtres éditions. Merci Marc. Autre question qu'on se posait avant le début de cette conférence, messieurs, c'était qui va présenter cette keynote ? Est-ce que la logique voudrait que, bien sûr, que ce soit Tim Cook, mais est-ce que vous ne pensez pas que Steve pourrait passer faire un petit coucou, Emmanuel Torregano ? Mais c'est ce qu'on a lu, non ? Je crois que certains supputent sur le fait que Steve Jobs soit là, peut-être à l'autre bout du 4S. C'est-à-dire qu'en gros, Tim Cook fasse la présentation de l'appareil, si jamais il n'y en a qu'un seul. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, c'est-à-dire aussi l'iPhone 5. Et puis que, je ne sais pas, des tests de type assistant, puisqu'on parle beaucoup de cet assistant vocal enfin, qui vous permet de dialoguer avec votre iPhone. Parce que je rappelle que le titre du flyer, c'est Let's Talk. Let's Talk iPhone. C'est aussi le titre de cette émission. Donc. Voilà. Hein. Je ne me suis pas trompé d'adresse, je suis content. Ouais. Et donc, en gros, ça serait ce fameux assistant. Et peut-être que l'assistant, la démonstration, enfin tout ça, peut-être que Steve pourrait être là. D'après ce que j'ai lu, pour parler un peu économique, les analystes ont eux-mêmes rejeté l'idée que ça soit important qu'il soit là. C'est-à-dire qu'en gros, qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas, ne change plus grand-chose aujourd'hui à l'avenir de cette société. Donc on peut prédire peut-être que dans 2 ou 3 jours, l'action sera à $450. Donc achetez, c'est mon conseil. Bien. Oui, Cédric. Non, ce serait important. C'est vrai qu'on a, du mal, on a déjà parlé, hein, mais on a du mal à imaginer que Steve Jobs quitte Apple définitivement sans faire un dernier événement, une dernière apparition, quelque chose, quoi. Mais pour autant, non, de fait, je suis assez d'accord avec Emmanuel. Ça n'arrive pas tous les 4 matins en même temps. Alors, indispensable. Alors, Emmanuel Paquette. Il y a quelque chose de très marquant à annoncer. D'accord. Steve Jobs, il ne viendra pas annoncer un iPhone 4S, pour être sérieux. Est-ce qu'il y a quelque part, Emmanuel Paquette, il faut changer les prénoms, hein, c'est pas possible. Tu t'appelais Manu dorénavant. On travaille dans un tabloïd. Voilà, c'est ça. On se différencie comme ça. C'est ça. Concrètement, Emmanuel, est-ce que, je sais reprendre le fil de cette émission, c'est pas évident avec ces ostrogos, est-ce que quelque part, ce serait un mauvais service que rendrait Steve Jobs à Tim Cook d'être là encore ce soir, parce qu'en clair, il ferait de l'ombre au futur patron, à l'actuel patron d'Apple. Très probablement, oui, effectivement, parce que pour une prise de pouvoir, on lui a cédé le pouvoir, en l'occurrence. Ouais. C'est compliqué de pouvoir apparaître comme étant le nouveau porte-étendard d'une marque si, effectivement, l'ancien PDG fait une apparition même succincte. Donc, moi, j'y crois très moyennement. D'autant que Cook, comme à son habitude, a quand même là fait monter des gens au niveau de la hiérarchie d'Apple. Il a placé ses hommes. Il a fait monter Q, il a donné un peu plus, visiblement, de responsabilité à Jonathan Ive, qui s'occupe du design des appareils. Donc, je pense qu'en fait, Steve Jobs ne va pas être remplacé par une personne, mais probablement par 3-4 personnes, et je pense que Cook partagera peut-être plus le pouvoir. Un quatuor, un triumvirat. On peut dire ça comme ça, voilà. Ouais. Effectivement, quand on a de la grammaire, mais ce qui n'est pas mon cas, tu vois. Mais je croyais que tu travaillais pour un grand magazine. C'est vrai, exactement. Mais donc, je pense qu'il aura probablement fort à faire et devrait déléguer une partie de la démonstration à plusieurs personnes autour de lui. Alexandre, ton point de vue là-dessus. Mon point de vue là-dessus, moi je mets un billet sur le fait que Steve Jobs ne sera pas là. Apple a coutume de passer un coup d'éponge sur le passé et Steve Jobs maintenant pour Apple appartient au passé, même si
Il est toujours salarié de l'entreprise, mais il n'a a priori, enfin selon moi, et président du conseil d'administration, tu as raison de le rappeler, il n'a selon moi aucune raison d'être sur scène avec Tim Cook pour présenter. Alors peut-être assis dans la salle, mais ce serait tout. Alors il reste à peu près 4 minutes, messieurs, avant le début de la keynote à Cupertino. Oui, il y a des choses là-dessus. Oui, Emmanuel. Je pense même qu'on commence à voir l'empreinte assez forte de Tim Cook sur cet événement. Peut-être que le fait de ne pas avoir choisi une grande salle comme le Yerbuena Center ou le Moscone, c'est peut-être l'empreinte de Tim Cook. C'est-à-dire que les grandes keynotes qui étaient l'apanage de Steve Jobs sont peut-être finies aujourd'hui dans l'histoire Apple. Et que finalement, on éteint petit à petit cette manifestation-là avec cette première présentation et qu'on passe vraiment à autre chose. Mais brièvement, parce qu'il faut qu'on passe à l'iPhone 5 rapidement. Vas-y. Oui, et puis peut-être la différence, c'est que si Jobs était encore au pouvoir, peut-être qu'au Japon, on n'aurait pas vu apparaître les premières photos de l'iPhone 4S juste avant la keynote, parce que la personne serait déjà morte à l'heure actuelle. Oui, exilé, avec Cook, avec exilé, Cook ça sera peut-être moins difficile. Alors, brièvement, messieurs, il reste 3 minutes avant le début de la keynote. On a encore un peu le temps, parce que le temps qu'il monte sur scène, etc. Faisons un petit point sur le fait s'il va y avoir un iPhone 4S, un iPhone 5. Alors, ce que l'on sait, c'est qu'a priori, un iPhone 4S serait juste ce qu'on appelle un speed bump, une mise à jour. Oui. Ouais, tu te souviens que, je ne sais plus il y a combien de keynotes, il y a peut-être 3 ou 4 ans, l'Internet mondial avait ralenti dans une keynote. L'Internet mondial avait ralenti dans une keynote, oui. Ouais. Donc, le fait d'être dans une petite salle aujourd'hui, ce n'est pas très grave pour Apple. Il n'y a peut-être que 200 journalistes dans la salle, peut-être que 100 à Londres, mais il y a en fait le monde entier qui a les yeux braqués sur Apple dans exactement 2 minutes. Bien. Ok. Mais pour revenir donc à l'iPhone 4S et à l'iPhone 5, alors comment vous expliquez on en parlait en début de cette émission, qu'il y ait autant de prototypes, de housses qui ont circulé, les photos. Il y a pas mal de vidéos. En régie, on a dû préparer une vidéo de housses d'iPhone 5 qui ont pas mal circulé. Comment vous pouvez expliquer qu'il y ait autant comme ça de vidéos qui ont circulé sur le web, de produits qui sont finis, qui ont été industrialisés, qui ont été développés, là je meuble, hein, qui ont été développés à des milliers d'exemplaires pour que la vidéo démarre. Voilà, qui a été développé à des millions d'exemplaires, à des milliers d'exemplaires. Comment vous expliquez que, voilà, qu'il y ait de la production de masse comme ça sur des housses pour un produit qui n'arrive pas? Il n'y a pas de fumée sans feu, messieurs. Qui veut prendre la parole? Cédric. Parce qu'il faut, il faut du temps pour faire un iPhone, ça ne se fait pas en 6 mois. Et c'est pour ça que finalement, ces fuites de form factor qui arrivent dans les mains, on le rappelle, de fabricants de housses indépendants, ces gens que Apple hait, mais déteste avec une passion dévorante. Je crois que Steve en avait parlé dans une keynote il n'y a pas très longtemps. Enfin, en gros, il avait évoqué, pas les fuites, mais il avait dit, en gros, les fabricants de housses indépendants, ces gens qu'on déteste, avec raison, parce qu'évidemment, eux courent après les fuites des lignes de production d'Apple ou même apparemment de ce qui se passe en amont pour arriver à faire des housses qui seraient prêtes pour le jour où on arrive à cette situation incroyable. Il y a des magasins AT&T, donc le distributeur officiel de l'iPhone aux États-Unis, qui ont déjà en stock des housses pour un iPhone 5, mais pas des housses officielles, pour le cas où Apple lance un iPhone 5. Vous imaginez le degré de folie furieuse dans lequel on est arrivé. Donc ces gens-là comptent sur des fuites. On avait vu ce qui s'était passé récemment, des choses qui se passent par exemple au Vietnam, pour avoir une idée du form factor précise, pour pouvoir faire des étuis. Maintenant, le truc, c'est que développer un iPhone, ça prend 12 à 24 mois au moins. Et que si ça se trouve, on l'a déjà dit tout à l'heure, ce qu'on voit là, ce serait ce quoi ressemblera le prochain iPhone, pas forcément celui qui est lancé aujourd'hui. Enfin, moi, j'y crois pas trop personnellement, parce que généralement, les Vietnamiens, quand tu les décris, ils sont assez bien renseignés. Hein. C'est des moules en cire qui sont faits de... Les Vietnamiens ne décident pas de la date du lancement. Non, des je sais bien, voilà, ça se fait généralement à court terme. Si les designs, le problème, si les designs... problème, c'est qu'il faut le regarder froidement. Ce qu'on sait aujourd'hui de l'iPhone 4S, et maintenant on sait, on a vu ce qui est publié sur le, ce qui a été publié apparemment par accident sur le site japonais d'Apple. On en a les spécifications. Quand tu regardes les spécifications de ce que pourrait être l'iPhone 4S, ça ne laisse pas de place à un iPhone 5 qui n'aurait comme différence on aura la que sa finesse et sa taille d'écran. 15 voilà. secondes, on messieurs. Pas, on ne va pas plomber le système. Emmanuel, brièvement, puisque la keynote va est en train de démarrer, Emmanuel. Oui, peut-être la différence aussi par rapport aux dernières fois concernant l'iPhone, c'est que Apple est en train de demander quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout, à savoir un nouveau format de carte SIM, un mini format de carte SIM, qui doit passer par des systèmes de certification au niveau des autorités des télécommunications. Et donc, il ne peut pas maîtriser son timing, parce que là, pour le coup, il faut que le système soit standardisé avant de pouvoir être intégré dans un nouvel iPhone. Donc là, pour l'instant, je pense que Apple n'a pas entièrement la main sur les spécifications d'un nouvel iPhone, probablement le 5, en tout cas sur les cartes SIM, puisque là, il doit attendre l'autorisation et la standardisation de ces mini-cartes SIM
qui doivent, selon Stéphane Richard, le PDG d'Apple, d'Orange, pardon, toujours très bien renseigné, permettre d'avoir... Il avait quand même dit que l'iPad 1 est équipé d'une... PDG d'Orange, pardon. PDG d'Orange, peut-être demain d'Apple, hein, qui s'en met, en tout cas pour l'instant, PDG d'Orange, que le form factor de l'iPhone serait beaucoup plus fin que celui actuellement, grâce à la mini-carte SIM. Qui cas, correspond c'est... à peu près au design qui circule aujourd'hui sur les sites de rumeurs et notamment chez les constructeurs de housses. On va la répondre très rapidement. Je me tourne deux secondes du côté d'Alexandre. Je t'en prie. Savoir un peu ce qui se passe, puisque tu en parlais sur les sites. On va essayer d'appeler tout à l'heure... Marc, pour nous dire un petit peu l'ambiance de ces buts de keynote, mais qu'est-ce qui se passe du côté de Cupertino ? Alors écoute, aux dernières nouvelles, il y avait de la musique dans la salle, il y a eu les Stones, il y a eu une chanteuse, voilà. Ça, c'est, tout ça n'est pas très intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a l'Apple Store japonais qui aurait lâché un nouvel iPod Nano. Voilà. Donc apparemment, on a Marc en ligne. Marc, oui, Olivier, ça y est, ça va commencer, je pense. Alors. La première l'image apparaît, c'est Tim Cook qui est sur scène. C'est Tim Cook qui est sur scène, d'accord. Voilà, pour l'instant, il se fait applaudir longuement. Je ne sais pas si tu entends derrière moi le son. Oui, on va essayer d'écouter 30 secondes. Bien, ouais. Vas-y, on va laisser défiler. Est-ce qu'il est maigre ? Emmanuel. Non, on ne va pas insister sur le son. En fait, il fait les présentations d'usage et dit que c'est un plaisir de nous accueillir, etc. Ici. Je vous rappelle s'il y a quelque chose de nouveau. Ouais. Merci Marc. Donc premier élément, messieurs, c'est Tim Cook qui va présenter la conférence, qui va présenter ce soir. Si on peut couper le retour de Skype dans mon oreillette, s'il vous plaît, parce que là je vais perdre un membre ce soir. Voilà. Donc premier élément, effectivement, c'est que Tim Cook, ça y est, il a les pleins pouvoirs ce soir. Il va présenter la keynote. C'était finalement assez logique, Alexandre, Mais au-delà, dès que Steve Jobs est là, ça crée des rumeurs. Donc, il aurait été dans la salle. Bon, on va voir, peut-être qu'il est dans la salle bien caché. Mais... Il y aura dans ces cas-là, sans doute, des images qui sortiront. Mais bon, comme je te disais, il était tout à fait logique qu'il ne soit pas là. Alors, pour revenir juste un instant sur ce qu'on disait à propos de l'iPhone 5, on meuble pendant que Tim Cook, Steve, c'est malheureusement, j'espère, pour plus tard. Ou le passé, on verra. Pour revenir un instant sur la rumeur de l'iPhone 5, il y a des internautes qui ont été très loin dans l'interprétation de cette rumeur, puisqu'il y a un site allemand qui a publié une vidéo d'un iPhone 5 en verre qui reprend les cotes de ce modèle à partir, là on peut le voir, à partir des hausses. Et c'est assez, moi ça me fait, c'est assez pas mal. On peut pas se rendre compte véritablement de loin, comme ça, de savoir si c'est un faux. Mais quoi qu'il en soit, si ça ressemble à ça, moi, je signe tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel ? Ça sera encore bien plus beau qu'à chaque fois, ça a été la même chose avec les mock-ups ou les tentatives un peu arty de prédire ce que va faire Apple. À chaque fois, on s'est retrouvé avec des appareils qui étaient relativement différents parce que, malgré tout, Jonathan Ive a une vraie signature dans son design. Il a quelque chose de très personnel qui met en place. On l'a vu avec les iMac. Les premiers iMac, rappelez-vous, il y avait une espèce d'énorme blanche en bas qui, pour certains, était disgracieuse et qui, en fait, ont fait la signature de cette machine. C'est-à-dire que ce n'était pas qu'un écran avec une unité centrale plaquée derrière. C'était un objet avec un design très particulier. Et on le retrouve à chaque fois. L'iPhone 4, par exemple, moi, je me rappelle que quand le fameux exemplaire prototype a été perdu dans le bar, les gens qui l'ont vu en disant « Ah, regardez, ça va être l'iPhone 4 », les réactions étaient plutôt hostiles. Finalement, c'est le best-seller du smartphone dans le monde, cet appareil. Ouais. Parce que, à chaque fois, au bout d'un an, à chaque fois, Ive arrive à trouver le petit truc, le petit détail qui fait que finalement, c'est un appareil qui ne ressemble pas, par exemple, à un Samsung. Alors, en tout cas, je ne sais pas si Tim Cook est à la hauteur d'un Steve Jobs sur scène, mais en tout cas, il aime bien buzzer et teaser comme le faisait Steve Jobs, puisqu'il vient de faire une petite déclaration fracassante, notre ami Tim Alexandre. Ouais, Tim Cook a simplement rappelé que c'est dans la salle dans laquelle il va présenter aujourd'hui sa première vraie keynote de patron qui a été lancée, l'iPod, donc par Steve Jobs, il y a maintenant 10 ans. Voilà, donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément parce qu'on est dans une petite salle qu'il n'y aura pas d'événement, mais encore une fois, c'est aussi une manière de jouer sur le suspense, c'est de faire monter l'audience. Cédric, tu nous entends à Tokyo ? Parfaitement. Tu
Je suis en train de regarder les photos du live blog. Les mots sont toujours très importants chez Apple. Ouais. Et Tim Cook dit aujourd'hui, on va vous montrer des nouveautés en logiciel et en matériel. Notez l'ordre dans lequel il parle de logiciel et de matériel. Ouais, iOS 5, iCloud, on va voir. Écoute, voilà, on a préparé des choses. J'espère qu'il a suivi notre conducteur ce soir, hein, parce qu'on a essayé de préparer cette émission. S'ils nous font une heure sur iOS et iCloud, hein, je crois que je vais criser. J'ai cassé quelque chose. Tant qu'ils ne font pas une heure sur les iPods, ça me va. On verra ça plus tard, Alexandre. Oui. Ok, Robert. Non, tu voulais me dire quoi ? Excuse-moi, Alexandre. Rien, qu'on essaie bien, c'est bien. Voilà, Alexandre est en train de suivre en direct les chiffres, puisque le podcast est aussi retransmis en direct sur Electron Libre. Alexandre. C'est Emmanuel. Laissez Robert parler, mince. Merci. Ouais, donc Emmanuel qui regardait ces chiffres d'audience, apparemment, ça monte, en espérant que ça tienne. Non, surtout. Là, ça tient plus. Donc le site Electron Libre est tombé. Bah écoutez, désolé, il faut venir sur la page Facebook d'Acryette, sur Clubic, hein, puisque vous pouvez le faire. Voilà, il faut relayer partout. Ou sur le site de Refait le Mac. Rodrigo, tu disais tout à l'heure que Steve Jobs n'était pas forcément, je dirais, indispensable pour faire continuer Apple sur cette voie-là. Ce soir, on sent véritablement que Tim Cook veut faire un coup et qu'il joue vraiment, je dirais, ses premières cartes en tant que patron et que c'est là qu'il va être noté. Hein. Alors, c'est pas moi qui dis ça, c'est un de tes voisins. Oui. Mais je suis d'accord, c'est un moment crucial dans la vie d'Apple de transition de patron, de patron opérationnel, puisque l'autre est toujours chairman of the board. Ouais, c'est bien, il prend ses marques, il les prend bien, j'ai l'impression. Oui, Alexandre. Oui, Emmanuel, excuse-moi, Emmanuel Paquette de l'Express. Non, en fait, ce que certains signalent, c'est qu'effectivement, il y a 10 ans, une annonce de l'iPod a été faite dans cette salle. Et on se dit que 10 ans après, probablement, ça va être l'annonce de la mort de l'iPod, celui avec la roue, en tout cas, donc ça va être la fin de la roue pour Apple et le passage au tout tactile. D'ailleurs, la semaine passée, Apple a fermé le site de téléchargement pour les jeux sur iPod avec roulette. Donc, C'est quand même un signe que la roue ne sert plus à grand chose et que la roue tourne pour l'iPod. Très bon, effectivement. Oui, c'est l'une des rumeurs récurrentes et de ce qu'on attend effectivement par rapport à ce que tu disais, Emmanuel. Paquette, vas-y. Pourquoi vous avez le même prénom ? C'est impossible à gérer, ça. C'est à cause de sa mère. Ou son père. Tu ne sais pas. Une autre rumeur récurrente, c'est effectivement la possible arrêt des iPods. Oui, Cédric. Non, je disais juste appelle Torrigano, Zara et ça ira. Oui, Zara, c'est son pseudo Twitter, mais on ne peut pas avoir d'incrus ce soir avec le direct. On fera ça une autre fois. Pas la mort de l'iPod, hein. La mort de la roue sur l'iPod. De la roue, en tout cas la mort de l'iPod classique qu'on connaît, l'iPod original. Parce que là, sur le dernier trimestre, ils en ont vendu 7,5 millions. Donc, non, le touch est là. Ça m'étonnerait qu'ils arrêtent l'iPod hein, tout de suite. En tout cas. Écoutez, on verra tout à l'heure s'ils abordent le volet iPod. Il y a du nouveau sur le net pour l'instant. Alors, écoute, pour l'instant, Tim Cook a fait une présentation des nouveaux Apple Store chinois, les vrais, hein, pas les contrefaçons. Et là, il est en train de faire un petit update sur le Mac, sur Lion, bien sûr. Et donc, je pense qu'il va faire tomber quelques chiffres. Là, 6 millions de téléchargements pour Lion. Ouais. Ça tombe en direct. Voilà, c'est Marc qui nous envoie ça via Skype. Merci à lui. Cédric, pardon. Concernant Windows 8, il semblerait que la route tourne dans le bon sens pour Apple en ce moment. Cédric. Ça suffit. C'est-à-dire, je ne comprends pas cette question. Windows 8 arrive l'année prochaine. Non, mais que Apple continue à grignoter des parts de marché, comme on l'évoque si on parle des produits disponibles, Windows 7, il s'en est vendu 540 millions d'exemplaires. Ouais. Donc, c'est bien, hein, 6 millions de Lion. Enfin, distribué, les ratios sont respectés. Je suis maintenant. On a dit beaucoup de mal de Lion. Tous les fanboys hardcore ont dit beaucoup de mal de Lion. Moi qui suis un utilisateur récent de Lion depuis un mois sur mon nouveau MacBook Air que j'aime, finalement c'est pas si mal que ça. En tout cas, les quelques nouveautés, moi je m'y fais très bien. Mais non, on va pas se mettre. Mais les machines se vendent très bien. Je sais pas à quel point. Si je peux me permettre, Cédric. Tim Cook te répond parce qu'il est en train de dire en direct que Windows 7 a mis 20 semaines pour avoir une pénétration de 10%. OS X l'a fait en seulement 21 Une deux, en seulement 2 semaines. Voilà. De 10% de quoi ?
Windows a mis 20 semaines pour avoir une pénétration. D'installation de... sur le parc de machines. Ah oui, mais. Oui, mais... oui c'est ça. Oui, on c'est plus fait. Oui. Voilà, elle parle pas du même volume, mais. C'est que. C'est... Enfin, peu importe. Mais on, oui, on, il parle en chiffres relatifs, donc forcément, c'est-à-dire que si moi j'étais constructeur et que j'avais 5 machines, si je vends une upgrade, j'ai fait 20% de mon parc. Ouais, oui, enfin d'accord, bon, on parle pas de la même chose. Bien. Des chiffres, on va en parler, messieurs, mais c'est vrai qu'on est un peu étonné que, alors qu'on parlait que le thème de cette keynote, c'était Let's Talk iPhone, on parle du Mac, mais bon, voilà, pourquoi pas. Hein. On n'a pas vraiment préparé des choses sur le Mac, mais on va y aller. Oui, c'est vrai. Je vois la slide là de Tim Cook avec l'adoption de Lion qui est en flèche comme ça, alors que Windows c'est comme ça, etc. Ça, on peut se faire une heure de débat là-dessus. Sur oui, mais enfin, il y en a un. C'est aux entreprises qui essaient de le vendre. C'est plus long et plus compliqué, mais peu importe. En gros, 23% de croissance pour le Mac d'une année sur l'autre contre 4% pour le PC. Voilà la slide de Tim Cook. Merci. Non, ce que ça signifie, c'est qu'il y a une chose qui ne changera pas du fait de l'arrivée de Tim Cook. Ouais. Et ça, c'est un truc historique chez Apple, c'est qu'il a toujours fallu qu'Apple ait un ou plusieurs ennemis. Que Apple se marque, en tout cas dans sa communication, en contre, contre IBM au début, contre Microsoft après, aujourd'hui contre Android à mort. Ça, voilà, apparemment, Tim Cook ne va pas apporter sa patte à la communication d'Apple en changeant ce principe de base de la communication qu'Apple est une marque rebelle, entre gros guillemets. Avant de donner la parole à Manuel Torregano, Alexandre, encore un chiffre qui vient d'être donné par Tim Cook. Oui, alors le Mac totaliserait aujourd'hui aux États-Unis 23% des parts de marché. Donc c'est, je crois, un chiffre jamais atteint à ce jour par le Mac depuis qu'il existe. C'est la croissance. Oui, c'est pas la part de marché parce que là, à côté de 23%, il y a 4% pour le PC. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'augmentation d'année par année. J'ai la slide, moi aussi. Autant pour nous. Ils partent de plus bas aussi. Ils partent de plus bas, oui. Voilà. Ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, effectivement. Emmanuel, tu voulais répondre en tant que fanboy, Emmanuel Torregano, tu voulais répondre à notre ami Cédric ce soir. À propos de quoi ? Parce que je voyais là, parce qu'en même temps que je parle, je voyais que tu réagissais en direct sur Twitter, donc vas-y, réponds-lui directement. Ah oui, non, je disais que Cédric, comme d'habitude, était évidemment d'une mauvaise foi honteuse et hontée. Je tenais absolument à le dénoncer sur Twitter, notamment quand il parle de la communication d'Apple qui se fait toujours contre quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas totalement faux, mais qui n'est pas non plus très, comment dirais-je, anormal dans un milieu comme l'informatique où Microsoft s'est lui-même défini très longtemps face à Linux, dans lequel Google, pendant très longtemps, a dit « je ne suis pas méchant, mais enfin quand même a attaqué à peu près tout le monde à côté de lui ». Voilà, Apple est un challenger. En tant que challenger, je crois que c'est une place qui leur va relativement bien. D'ailleurs, je honnis le jour où ils seront majoritaires face à Windows, même si je sais que ce jour arrivera. Et là-dessus, je pense qu'en effet, ce jour-là, on perdra beaucoup. Oui, non, mais c'est assez logique. Ça, je vois que ça sourit même en régie, pour te dire. L'époque du post-PC devrait normalement nous amener un Apple dominant sur des marchés où jusqu'à présent, ils étaient un challenger relativement faible, puisque entre 3 et 5% pendant des années, c'était vraiment pas grand-chose. Là, aujourd'hui, ils commencent en effet à faire des parts de marché plus importantes. Et de ce jour-là, je pense que l'âme d'Apple en sera changée à jamais. De nouveau, du ton côté. Alors, puisqu'on parle de parts de marché, on va parler de parts de marché musique. L'iPod donc, continue à très bien marcher puisqu'il totalise toujours 78% des parts de marché. Alors le chiffre le plus intéressant là-dedans, c'est 300 millions d'iPod vendus en 10 ans. Il faut mettre en perspective avec le Walkman de Sony. Le Walkman de Sony avait mis 20 ans pour s'écouler à 300 millions d'exemplaires. Si je puis me permettre, quand on regarde les chiffres de l'iPod sur les derniers trimestres, c'est des chiffres en forte décroissance. Hein. Ils font, sur le dernier trimestre, ils ont fait moins 20% en volume. Ouais. Donc, l'iPod est en fin de vie, quoi. Ouais. Il s'est vendu plus d'iPod lors du troisième trimestre que d'iPod. C'est quand même un chiffre intéressant. Il s'est vendu 9,5 millions d'iPad et contre 7,5 millions d'iPod. Non, donc, je vais préciser ton chiffre, puisque Apple vient d'annoncer 45 millions d'iPod vendus entre juillet 2010 et juin 2011. Alors ça, c'est l'année. C'est sur une année. Ouais. Et alors, Tim Cook précise que pour la moitié des ventes, il s'agissait d'un premier achat. Ah oui. Je ne sais pas d'où vient le chiffre, parce que sur Engadget, ils disent que Sony a mis en 30 ans pour vendre 220 000 Walkman à cassette. Non, ce n'est pas 220 000. Hein. Et ils sont plantés sur Engadget. Il manque un zéro quelque part. Ouais. Non, mais c'est intéressant de voir. Moi, en préparant cette émission, on avait noté quelques chiffres. On a quand même bossé un max avant de commencer. Donc effectivement, le chiffre qu'avait donné Apple lors de ses résultats financiers au mois de juillet, c'était donc 7,5 millions d'iPod vendus.
alors qu'il s'est vendu 9,25 millions d'iPad. Il s'est vendu plus d'iPad aujourd'hui que d'iPod sur un trimestre. Hein, c'était le trimestre du printemps. Autre info, c'est qu'un iPod vendu sur deux est sous iOS. Voilà, donc c'est un iPod Touch en clair. Et aujourd'hui, sur les 7,5 millions d'iPods vendus, donc 3,7 sont des iPod Touch. Voilà, donc voilà. La question, et on le savait dès le début de cette émission, la question c'est de savoir si Apple va basculer complètement sa gamme d'iPod vers du iOS. Est-ce qu'on commence à avoir quelques éléments de réponse? Non, pas encore. On n'a pas marqué en ligne hein, pour le moment, non. Il y a quand même chiffre. Si on fait le rapport entre le nombre d'iPod qui sont, encore une fois, en baisse de 20% d'un trimestre à l'autre, donc 7,5 millions d'iPod vendus, par rapport au chiffre d'affaires que ça représentait, c'est-à-dire 1,3 milliard, ouais, ça fait un prix moyen de l'iPod de 159 $. Donc, c'est rien pour Apple, quoi, 159 $. Donc, ils ont dire pour une marque qui a l'habitude de marger. Exactement, énormément. Une donc, marque premium. Je pense qu'il est temps d'arrêter le shuffle, il est temps d'arrêter même le classique, qui font baisser la moyenne du prix moyen d'un iPod pour se concentrer, ouais, sur du plus haut de gamme, en l'occurrence du touch, quoi. Donc là, apparemment, Tim Cook est passé sur le registre iPhone. Voilà, quelques petits chiffres sur l'iPhone que Tim Cook présente comme le smartphone numéro 1 au monde avec des croissances de vente sur une année de 125%. Bien. On cite aucun chiffre absolu. Hein. Tout à l'heure, on entend, à part le nombre de téléchargements de Lion, on n'entend que des pourcentages, qui est extrêmement gonflant, parce qu'évidemment, c'est des choses relatives sur... si je ne vous dis pas combien j'en ai vendu l'année dernière et combien j'en vends aujourd'hui, le pourcentage ne veut rien dire. Je suis rassuré quand même qu'au bout d'un quart d'heure, ils se mettent à parler d'iPhone, parce que là, je commençais à surventiler un peu, parce que bah oui, les chiffres sur les iPods, de l'iPod, c'est quand même pas pour ça qu'on s'est élevé. Hein, peut-être le moment, ça fait presque 35 minutes qu'on est ensemble, on n'a pas encore eu le temps de répondre à une question de Twitter, peut-être, Alexandre. Donc, je vous rappelle le mode pour me poser une question. Il suffit de mettre le hashtag à la fin de votre question, question ORLM. L'hashtag question ORLM. Une petite question de Yoskiz. Si c'est un iPhone 4S, serait-il pour vous une déception, car l'attente semble très forte pour un iPhone 5? Emmanuel. Après, tout va dépendre du positionnement prix et puis des fonctionnalités qui vont être dans le S. Mais il y a de fortes possibilités qu'effectivement, Cook ne pourra pas se contenter d'un iPhone 4S pour sa première sortie. Emmanuel Torriano, tu crois qu'Apple peut jouer la montre et se contenter de sortir juste une machine, un speed bump, comme je le disais tout à l'heure, une machine qui serait juste un iPhone 4 accéléré, en gros, plus rapide? A priori, non. Moi, je suis assez d'accord avec mon voisin de droite qui travaille dans un tabloïd. Et je dois dire qu'en effet, si Tim Cook, pour sa première keynote, si Apple, après un an d'attente, puisque l'iPhone 4 a été lancé l'année dernière, à peu près à la même date, un peu avant même, si à ce moment-là, il ne présente qu'un iPhone 5, arrêtez de me distraire, s'il vous plaît. Si en effet, il ne propose pas un iPhone 5 qui soit un vrai pas en avant dans la gamme iPhone, qui renouvelle complètement, évidemment, les paradigmes, comme on dit, et qui soit un concurrent valable par rapport à la concurrence, notamment sur Android. On en parle suffisamment un peu partout dans les milieux interlopes, les Galaxy S2 et toutes ces choses-là. Il est évident qu'il y aura une déception, même si les caractéristiques qui ont émergé à droite à gauche sur la toile concernant l'iPhone 4S qui serait avec plus de capacité, avec une puce A5 comme l'iPad, qui aurait à peu près le même écran, par contre, et ferait très bien tourner le fameux assistant dont on attend monts et merveilles, assistant vocal, ça serait une bonne chose, ça serait peut-être pas suffisant. Ou alors, il faut qu'Apple, très rapidement, dans les 2-3 mois qui viennent, un peu avant Noël, lance son flagship, c'est-à-dire l'iPhone 5, et à ce moment-là, on aurait une gamme qui serait logique pour Apple, c'est-à-dire un flagship relativement cher, un 4S, pas milieu de gamme, mais milieu haut de gamme, on va dire. Mm-hmm. Voilà. Et puis le 4 actuel, qui serait comme le 3GS d'aujourd'hui, même s'il n'en reste plus beaucoup, qui serait vendu à prix cassé. Et on aurait comme ça 3 appareils. Pour Apple, ça serait pas mal face à la concurrence qui aujourd'hui a du mal sur le haut de gamme. En revanche, a très bien su préempter le marché du moyen et du bas de gamme. Petite parenthèse avant que tu te... Je suis forcé d'arrêter encore Emmanuel Torregano dans ses délires de fanboy. Dire que la concurrence a du mal sur le haut de gamme, en tout cas pas en termes de spec et puis pas en termes de vente, parce que les smartphones qu'on voit... Il y a un problème en fait de fond, c'est que
S'il n'y a pas d'iPhone 5, ce sera la première fois qu'Apple perdra l'initiative en termes de spécifications. La première fois qu'on a vu un, alors on appelle ça un Retina Display chez Apple, mais on va dire un écran de très belle définition, c'était sur l'iPhone 4, etc., etc. Tous les iPhones, quand ils sont sortis, avaient l'initiative, au moins sur une ou deux technologies, pas forcément en termes de réseau. Il faut se souvenir que le premier iPhone, il n'était que Edge, ce qui était un peu rageant. Et cette initiative, elle est partie à la concurrence, elle est partie au monde Android, à Samsung principalement. Samsung s'apprête la semaine prochaine, pile dans une semaine, avec Google à CTIA, qui est le salon du mobile à San Diego, à lancer son nouveau Nexus Prime S, je ne sais plus, dont on croit savoir qu'il aurait un écran 1280x800, donc quasiment du la HD de la télé que j'ai dans ma chambre d'hôtel. Ce serait étonnant et bizarre et presque triste de voir Apple perdre l'initiative sur le terrain des spécifications et laisser la concurrence dire mon téléphone il va plus vite, il a un meilleur écran, il a un plus grand écran aussi, parce que c'est un problème de fond. Moi qui ai un Galaxy S2 depuis quelques mois, quand je le mets à côté d'un iPhone, on a quand même l'impression que voilà, il y a un bel écran et puis il y a un écran qui est plus petit. J'attends de voir ce qui va sortir aujourd'hui. Oui, Cédric, juste pour une petite info, là on vient de faire passer un petit pépier, vous êtes près de 10 000 à nous suivre actuellement en direct, 10 000, record battu. Voilà, donc encore un grand merci aux prestataires techniques qui nous permettent de faire cette émission ce soir. C'est Yuan hein, qui nous prête ses studios ici, ses caméras, sa régie, et également le gros tuyau Akamai qui vous permet, j'espère, de nous suivre en direct et surtout que ça tombe pas. Merci encore à Vuon. On en sait un peu plus sur l'iPhone. Tu as rencontré notamment récemment les gens d'SFR, je crois, Emmanuel. Eh oui, en fait, SFR nous a dit qu'ils ont envoyé quelqu'un à Cupertino puisque une des choses que voulait mettre Apple dans l'iOS 5, c'est le fait de passer d'un réseau 3G à un réseau Wi-Fi. Vous savez, aujourd'hui, généralement, il faut aller chercher le réseau Wi-Fi, se connecter. Et généralement, par défaut, c'est le 3G qui est toujours connecté. Mm-hmm. Ce qu'on appelle l'offload chez les opérateurs télécoms, c'est qu'à un moment donné, tout ça doit se faire de manière automatique. Donc, quelqu'un de SFR a été envoyé là-bas. Selon SFR, Apple considère que la France est le plus grand marché en termes de Wi-Fi avec les box. Et donc, on a un savoir-faire du passage du Wi-Fi, d'un réseau Wi-Fi à un réseau 3G, et que ça pourrait se faire de manière totalement automatisée via un système qu'a développé SFR, qui est breveté, mais dont ils ont donné l'autorisation et la licence à Apple. Et donc, iOS 5 permettrait de switcher, donc de passer d'un réseau 3G à un réseau Wi-Fi, donc de faire un offload de manière assez simple et sans avoir à utiliser soi-même, faire une recherche sur les hotspots qui se trouvent autour de nous. Donc, d'une manière générale, on en est quasiment sûr, les opérateurs ont eu en main, a priori, le nouvel iPhone ou les nouveaux iPhones. Ils ont été obligés d'aller là-bas. Pour essayer, pour aussi négocier des contrats de distribution. Je ne crois pas qu'ils l'aient vu en plus. Hein. Ils ont travaillé là-dessus, sur ce système-là. Avant de le commercialiser, pour signer le contrat final, d'après ce que m'a dit un opérateur, ils sont quand même obligés d'avoir les specs et avoir quand même savoir ce qu'ils vont vendre. Effectivement. Donc, a priori, les opérateurs. Ça a changé, parce que pour le premier, ils n'avaient rien vu. Entre-temps, les choses ont un petit peu changé, puisqu'il n'y a plus de distribution exclusive. Et puis, juste dernière petite chose, c'est que ce qui complique donne, notamment aux US, en Europe, on est un petit peu en retard là-dessus, c'est qu'il y a un autre réseau qui arrive qui est la 4G aux US, puisqu'il y a un réseau 3G qui n'est pas très bon, donc ils sautent directement. Mobile très haut débit. Voilà, donc ils arrivent directement sur la 4G, alors que nous, on a un bon réseau 3G avant d'arriver sur un futur 4G. Et donc, le offload pourrait se faire entre un réseau 4G, un réseau 3G, un réseau Wi-Fi et peut-être un réseau Edge par la suite. Mmh. Donc, c'est-à-dire que le téléphone se connecterait dans le réseau qui a le meilleur des signaux, pour pouvoir naviguer sur Internet de manière optimum sur son téléphone. On a un chiffre, je crois, en termes de part de marché d'appareils sous iOS. Une première part de marché, c'est l'iPhone, 5% du mobile, pas des smartphones, du mobile annoncé. Par contre, pour ce qui est des appareils sous iOS, pardon, on serait à 250 millions d'appareils vendus sous iOS aujourd'hui. Ouais. L'iPad, dernier chiffre, l'iPad représenterait 74% du marché des tablettes aux États-Unis. Oui, ça, ce n'est pas une surprise. Le dernier chiffre qu'avait donné Apple, c'est 222 millions d'appareils sous iOS vendus par Apple. Hein, jolie base installée. C'était en juin. Donc, entre juin et aujourd'hui, ils ont gagné 28 30, millions. 30 millions, oui. Ce qui est pas mal. Emmanuel. Oui, pour avoir discuté avec Henri Croas, le PDG de Darkos, la société française, lui estime que sur le marché français, donc Apple sur les tablettes est à 50%, un peu plus de 50% de part de marché. Ouais. Mais juste derrière, Arcos aurait la plus grosse part de marché, juste derrière Apple. Donc visiblement, la part de marché serait un peu moins forte sur le marché français, notamment dû au fait que Arcos attaque sur du bas de gamme et de l'entrée de gamme, avec des prix très très agressifs, notamment en développant une tablette chez Carrefour à des prix qui sont autour de 100-150 euros. On a vu, même si ce n'est pas le sujet du jour, que Kindle aussi était très agressif au niveau des prix. Tu voulais réagir, Emmanuel ?
Oui, je n'y crois pas du tout. J'ai toujours été très étonné par les chiffres donnés par Arcos depuis très longtemps. Il semble qu'on ne sait jamais si c'est du sell-in ou du sell-out dont il parle. C'est évidemment un jeu qui est souvent utilisé par les fabricants. C'est vrai qu'ils ont une tablette qui est relativement bas de gamme, mais qui fait aussi, qui est relativement bas de gamme, qui a quelques spécificités intéressantes. Elle n'est pas vendue très chère. Je ne sais pas si elle se vend. Vous en avez vu déjà des gens l'utiliser? J'ai vu des tablis, moi. Oui, voilà. Mais c'est à peu près le même genre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi ça marche il bien. Le jeu d'Arcos, politiquement, vis-à-vis du gouvernement, de la manière dont il se finance et tout ça, m'a toujours paru extrêmement louche. Non, mais il y a une je ne sais pas comment les prendre. Non, je suis désolé. Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec Emmanuel, comme Cédric Ingrand au Japon. C'est vrai. C'est que Arcos est une boîte cotée et qu'elle publie ses chiffres et que les chiffres de vente, le chiffre d'affaires d'Arcos est en nette progression depuis le lancement des tablettes. Donc de toute façon, ça se vend. Quoi qu'il arrive, ça se vend. Donc après, sur la part de marché, on peut discuter effectivement, mais en tout cas, le chiffre d'affaires et Arcos est sorti d'une période trouble et le chiffre d'affaires est très très bon et en pleine progression. Avant de parler de l'App Store, puisqu'apparemment Tim Cook a mis le cap sur l'App Store, un dernier mot sur les iPhones. Lors du dernier trimestre fiscal, il s'est vendu 1,3 million, une progression de 151% des ventes par rapport à l'année précédente. Il s'était vendu l'année d'avant 8 millions, lors du même trimestre, 8 millions d'iPhones seulement. Franchement, est-ce qu'on peut penser qu'Apple peut continuer à afficher 151% de croissance sans renouveler ses iPhones et surtout sans proposer une gamme, Cédric? Mais non, mais il faut comprendre le truc. L'intérêt. Alors, mettons-nous dans la peau d'Apple qui se dit je vais ne faire qu'un iPhone 4S. Bon, forcément, c'est curieux parce que ça fait maintenant 16 mois que l'iPhone 4 est sorti, etc. Pourquoi le ferait-il? Parce que cette ligne de production, on va dire, enfin ces lignes de production de l'iPhone 4, elles sont rentables. Les technologies, elles sont rentables. Si on ne fait que changer le processeur, changer le capteur photo, on va en reparler, rajouter un peu de mémoire, etc. On fait une machine plus puissante pour beaucoup moins cher, pour moins cher que ce qu'elle coûtait à produire il y a aujourd'hui 16 mois. Ça veut dire que les nouveaux iPhone 4S, qui apparemment vont sortir, seront beaucoup plus rentables que l'iPhone 4 original. Et on sait qu'Apple est sur un business de rentabilité plutôt que de chiffres. Nous, on échafaudait, souviens-toi, avec Monsieur X, des plans sur la comète en disant oui, on aurait d'un côté un iPhone 5 haut de gamme et puis de l'autre côté une itération de l'iPhone 4 qui serait enfin le téléphone d'entrée de gamme qui manque à Apple pour se battre sur les chiffres, là où Android est en train de grignoter largement ses parts de marché. Apparemment, Apple est encore sur une logique où ils font des choix de rentabilité plutôt que des choix de chiffres. Mais je pense qu'ils ils vont là tester les limites du système. Ça ne veut pas dire que l'iPhone 4S ne se vendra pas du tout. Il va se vendre formidablement bien et il sera formidablement rentable pour Apple. Je crois qu'Alex. Mais il manque un haut de gamme. Emmanuel a une parade fatale pour démonter ton argumentation. Oui, alors je ne sais pas si c'est une parade fatale, mais en l'occurrence, Al Gore a fait une sortie. Tu sais qu'il est au conseil d'administration d'Apple, en parlant des nouveaux iPhones avec un S, iPhones. Oui, mais il y a un noir et un blanc. Et puis, on va pas passer une demi-heure sur le fait que Al Gore a utilisé un pluriel dans une phrase. Enfin, Et voilà, il y a un noir et un blanc. Bien. En tout cas, je serais quand même étonné qu'avec un seul modèle, ils arrivent encore à afficher 150% de croissance. C'est vrai qu'il y a des pays où Apple est moins présent. Il suffit d'aller en Chine et puis tu vas voir si... Voilà. Exactement. Mais c'est vrai que 600, c'est un produit... 605 millions d'abonnés chez China Mobile. Ouais. 605 millions d'abonnés. Oui, mais l'iPhone est un produit... 5% de 605 millions d'abonnés, ça fait 30 millions d'iPhones vendus dans une année. Ouais. C'est un truc à doubler ses chiffres. Enfin, ouais, pour l'instant, la croissance de l'iPhone, elle est assurée. Et non pas, enfin, à la fois par une croissance organique sur les marchés où il existe, mais surtout par le nombre d'opérateurs. Il y a aujourd'hui plus d'une centaine d'opérateurs dans le monde qui vendent l'iPhone. Cette croissance de 125%, ça ne veut pas dire que dans votre quartier, il y a deux fois plus de gens qui ont acheté un iPhone aujourd'hui que l'année dernière. Ça veut juste dire qu'Apple a conquis des nouveaux marchés, des nouveaux opérateurs pays par pays. Un petit mot sur une petite question Twitter avant de reprendre le fil de la keynote avec Alexandre. Non, je pense que si ça ne t'ennuie pas, d'abord, il y a quelques petites choses qui sont tombées intéressantes. Bon, là, depuis 6-7 minutes maintenant, c'est Scott Forstall, le responsable iOS chez Apple, qui a pris le relais, qui a fait des petits updates. Donc, il est actuellement en train de présenter les fonctions d'iOS 5, dont on a déjà parlé maintes et maintes fois dans Refait le Mac. Juste un petit chiffre intéressant parce qu'on aime bien ça. Il se télécharge aujourd'hui sur l'App Store 1 milliard d'applications chaque mois. Au total, 18 milliards ont été téléchargés. Alors, est-ce qu'on donne des chiffres de part de marché pour l'instant ou pas du tout? Sur l'App Store, non.
Pour l'instant, il n'y a pas. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a une vraie polémique aujourd'hui en termes de part de marché entre l'iPhone et Android, entre iOS et Android. Hein, sachant qu'en juin, Apple a annoncé des chiffres où ils étaient leaders aux États-Unis. Enfin, ils les ont communiqués en juin, ça datait du mois d'avril. Et on s'aperçoit qu'au mois d'août, si on croit les chiffres communiqués par, par Gartner, si je me souviens bien, ce serait Android qui serait passé devant. Donc on va suivre ça attentivement. Juste encore une fois, parce que c'est important et qu'il n'apparaisse pas dans, dans l'écran derrière, et c'est une erreur de notre part, donc on va le rétablir. Encore un grand merci à Vion pour nous permettre d'être là ce soir, vous permettre de vivre en direct cet événement du lancement des prochains iPhones. Ils ne sont pas encore là, mais ils vont plus tarder, croyez-moi, ou du moins, il ne va plus tarder. Donc encore merci à Vion pour leurs moyens techniques, pour leur régie, pour leur lumière, pour le son et pour les passerelles, et surtout à Kamaï qui nous permet de vous faire vivre en direct cet événement. Est-ce qu'on a une petite question de Twitter, oui, Alexandre? Oui, en fait, ce n'est pas une question, c'est une petite remarque pour Cédric. Cédric, c'est pour toi. D'un petit internaute qui s'appelle Friou et qui dit, en fait, Cédric n'est pas content car il se demande s'il n'aurait pas pu dormir plus. Ah, mais j'avoue que, je vous dis, moi, j'ai fait une petite sieste avant. On fait confiance. Chez nous, il est maintenant 2h30 du matin. Il est courageux. Oui, depuis le début, quand on a vu l'échelle de l'événement, etc., et on s'est dit, s'il n'y a qu'un iPhone 4S, est-ce que ça vaut le coup de se lever? J'ai peur pour l'instant qu'il manque quelque chose à la fin de la keynote, quoi, qu'on se dise, that's it, vous êtes sûr? Mais même s'il fallait bien officialiser iOS 5, lancer iCloud, il y a toujours une actualité organique par le cycle normal des produits chez Apple, donc c'est bien, mais à moins qu'il y ait un one morphing incroyable et que ce soit ce soir, que Tim Cook, juste pour me faire pleurer, lance la télé d'Apple. Non, mais bon, ça, voilà. On a une question pour toi, Cédric. Oui, je vous écoute. Oui, toi qui es fan du Galaxy S2, une question de FoxCity78 qui demande si tu penses qu'un simple iPhone 4S pourrait contrer l'avancée de Samsung. Non. Avec le Galaxy S2, en tout cas, ça soutiendra pas la comparaison en termes de specs. Quand on les met côte à côte, il n'y a rien à dire. Et en plus, le Galaxy S2 est presque déjà un téléphone obsolète. Le S3, il va finir par arriver dans pas longtemps, plus les itérations de ce qu'ils vont faire avec Google. Et encore une fois, il n'y a vraiment pas que Samsung sur le marché, loin de là. Il y a HTC aussi, il y a etc. Même si, bon, pour l'instant, on va dire que le flagship Android, c'est quand même l'iPhone 5 version Android, pour l'instant, c'est le Galaxy S2. Il va manquer quelque chose dans la gamme d'Apple pour tenir la comparaison. Et surtout que le nombre de sorties et tout ce qu'on va voir d'ici, par exemple, le salon de Barcelone de février prochain, va s'accélérer, ça va devenir un peu compliqué. Et je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Torregano, je suis désolé, quand il dit Apple pourrait lancer, par exemple, un iPhone 5 dans 2 mois avant Noël. Non, ça ne marche pas comme ça. Si Monsieur X était là, il te dirait, non, mon petit, tu es gentil, ça ne se passe pas comme ça chez Apple, on ne lance pas de nouveaux produits en décembre, ça ne peut pas marcher. Surtout, on ne lance pas un téléphone 2 mois après en avoir lancé un nouveau, juste histoire de dire aux clients qui l'ont acheté qu'ils se sont fait avoir. Puis les opérateurs accepteraient pas en plus. Oui, pas sûr que les opérateurs acceptent. On enchaîne, messieurs, parce qu'on a pris du retard par rapport à la keynote. Il y a un chiffre qui a été communiqué concernant les parts de marché d'iOS. iOS posséderait aujourd'hui, je parle au conditionnel parce qu'on ne sait pas d'où viennent les sources, donc posséderait 43% de parts. Si, c'est comme score, il est dit. C'est comme score. De parts d'usage et Android, 33%. Mais là, c'est de parts d'usage, et non pas de parts de marché. De parts d'usage des sites web, je pense que si c'est comme score, c'est une question d'audience. Ouais. Et donc, ils calculent le pourcentage de machines. Là encore, Ça veut dire quoi? C'est vachement. Oui, c'est une stade. Ce qui est quand même vachement bizarre, c'est que ça a commencé il y a 34 minutes. Ouais. On a commencé par le State of the Union. On est les plus beaux, on est les plus forts. Vous avez vu, on est encore toujours beaux, on est encore plus forts. Ouais. Après, on nous a lancé un truc, mais qui sort de nulle part, quoi. Hallmark.com, on fait des cartes de vœux qu'on va imprimer. Ça intéresse qui? Alors, soit ils essaient d'élargir leur marché, mais ça intéresse qui? Et là, on fait une revue d'iOS 5. Des applications qu'ils sont en train de faire, c'est ça? Oui, oui. Et ensuite, là, on est sur iOS 5, qui a déjà été cédé à quoi 100 000 développeurs, qui l'ont déjà vu, dont on a parlé en long, en large, en travers, qui a déjà été présenté à un keynote avant. Voilà quelque chose qu'on va faire, puis un keynote, et voilà ce qu'on fait. C'est vachement bizarre, comme nouveau style. Petite salle et rien à raconter. Ouais. Même Engadget se moque un petit peu en disant « Waouh, regardez, on est en train de nous montrer les updates de l'application mail avec l'indentation, etc. etc. Really exciting stuff here. » Je crois que les gens qui sont dans la salle commencent à s'ennuyer un petit peu. Mais ça arrive souvent. Hein. Ça arrive, souviens-toi de keynote qu'on avait un peu fait en direct. On disait « Non, ils vont vraiment passer tout ce temps-là sur GarageBand. » Oui, ils sont en train de le faire. Et on souffre parce que la clim est tombée chez nous.
partie de la dramaturgie habituelle d'Apple, c'est qu'on te lance, on essaie de t'énerver un peu avant de te lâcher de vraies nouveautés. Alors apparemment... Non, mais on ne va pas revenir maintenant sur ça. Mais non, mais les chiffres comme score sont malgré tout intéressants parce que ça vient répondre de la part d'Apple à une sorte de problématique qui se pose régulièrement dans le fameux combat Android-iOS, qui est, oui, d'accord. Je te coupe, Emmanuel, parce que nous avons Marc Mitrani en duplex de Londres. Marc, qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Oui, Marc, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Donc, Scott qui présentait jusqu'à maintenant les nouveautés d'iOS 5. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend, vas-y. D'accord, parce que moi j'ai un peu de mal à m'entendre même. Donc, iOS 5 sera disponible comme une mise à jour gratuite à partir du 12 octobre. Donc, iOS 5 disponible le 12 octobre. En mise à jour gratuite. Pour tout le monde, y compris ceux qui ont des iPod Touch. iPod Touch, iPad, iPhone. D'accord, alors qu'auparavant, c'était payant sur iPod Touch. Quel est ton sentiment, là ? On ne t'a pas eu jusqu'à maintenant. Cédric se renchonnait à juste titre sur le fait qu'Apple avait tendance un peu à faire de l'événementiel sur pas grand-chose. Tu es d'accord avec cette analyse ? Si c'est à moi que tu parles, j'entends absolument rien, là. Je suis désolé. Bon, bah, écoute, tu nous rappelles dès qu'il y a du nouveau ? D'accord, je me rappelle. À plus tard. Alors, on va revenir sur le côté présentation d'iOS 5, puisqu'effectivement, Scott Forstall l'a présenté. Hein. Encore une fois, il est revenu sur les fonctions clés d'iOS. C'est une habitude, comme il l'avait fait en juin dernier. Et l'une des premières avancées, Alexandre, puisque tu l'utilises, toi, en version bêta depuis pas mal de temps, et là, on a préparé des petits sujets vidéo pour vous les illustrer. Une des premières fonctions clés, la plus évidente, une des plus belles avancées d'iOS 5, c'est la notification. Le nouveau Notification Center, oui, qui est un petit rideau, un petit peu comme ce qui se fait sur Android, hein, pour être parfaitement juste, un petit rideau qui descend du haut de l'écran. Enfin, on le voit à l'écran. Voilà, on va le voir en même temps que je parle à l'écran. Et qui permet de ils sont forts chez Vuon, hein, c'est incroyable. Qui permet à l'utilisateur de choisir les notifications qu'il veut voir affichées. Ça se règle ça dans les réglages du téléphone. On peut choisir de n'afficher que ses tweets, que ses emails, que ses SMS ou tout ce qu'on veut. Il y a également des petits tickers pour la bourse et pour la météo. Donc c'est une avancée effectivement conséquente, puisqu'avant les notifications s'empilaient sur l'écran sans réelle hiérarchie. C'était un petit peu compliqué à suivre. Bon, on me fait signe en régie, mais je ne vois pas d'ici, je suis désolé. Emmanuel. Oui, juste une petite information, c'est de ne surtout pas suivre les conseils d'Emmanuel Torrigano d'acheter un titre Apple, puisque depuis le début de la session, le titre fait moins 0,3%. Donc si vous voulez être remboursé, je vous donnerai son mail perso. Oui, ou Cesara sur Twitter. Croyez-moi, achetez maintenant, vous me remercierez plus tard. Oui, Rodrigo. J'ai une question pour Torrigano. Est-ce qu'il faut acheter du Kodak en ce moment ? Non. Écoute, si tu veux. Bon, tu fais ce que tu veux avec ton argent. On va pas trop l'embêter quand même ce soir. Petite parenthèse, ils ont perdu moins 83%, je crois, depuis le début de l'année. Ils ont fait moins 50 l'autre jour. C'est valorisé entre 600 et 700 millions de dollars en bourse. Et pourtant, les brevets vaudraient plus de 3 milliards. Bon. Donc, si c'est pas cher, c'est un bon coup. Hein. Voilà. Reprenons le cours. Donc, les notifications, messieurs, c'est une chose qu'on connaît bien. Si c'est la notification avec les doigts qui descendent. Si Cédric, tu me vois, tu me vois pas, mais tu m'entends. Je te vois parfaitement bien. Tu me vois, c'est génial. Live. Ah oui, tu vois le live. Je vois quelques secondes de retard, mais je t'entends en direct. Voilà, c'est magique le Japon. Nous, on a du débit, on a 100 mégabits. Hein, la vie est belle. Hein, bon, on avance, nous sommes en retard, messieurs. Les notifications, c'est quelque chose que tu connais bien sur Android. Tu me vois venir. Ah bah oui, c'était la première chose où on s'est dit, enfin ça y est, dans iOS, des notifications de grandes personnes, parce que c'est vrai que les petits dubu-dupes avec les petites pastilles sur les applications, ça pouvait plus durer, donc reprendre l'idée de cette barre de notification en haut qui te donne les types de notifications que tu as en attente, tu as un message téléphonique, un message vocal, trois tweets, deux updates sur Google+, etc., ouais, il était temps que ça arrive, et ça y est, ça arrive, et il suffit de descendre la barre pour voir le détail de tes notifications. On hésiterait à dire que Apple a copié sur Android, mais enfin, on voit pas où ailleurs ils sont allés chercher la même idée. Mais peu importe, comme je dis toujours, les meilleures idées sont là pour être utilisées et pour faire avancer l'état de l'art en général. Très bien. Une des fonctions intéressantes et dans lequel apparemment Scott Forstall a insisté beaucoup, c'est iMessage, Alexandre. C'est quoi ? C'est l'équivalent de BlackBerry iMessage, c'est le BBM, c'est le BBM d'Apple. En fait, l'idée de iMessage, c'est qu'il est complètement fondu dans l'application de SMS.
et que l'application va détecter d'elle-même si vous envoyez un message à un autre terminal capable de recevoir un iMessage, et auquel cas l'expéditeur ne paye rien, c'est gratuit, ça passe en data, ou bien si ça passe en SMS, auquel cas c'est chargé selon le forfait de l'utilisateur. Autre fonction qui a été présentée, dans laquelle les gens d'Apple ont beaucoup insisté ce soir, c'est la fonction Twitter. Alors, ce n'est pas une application Twitter qui est nativement installée, Alexandre, dans iOS, mais c'est une passerelle que propose certaines fonctions. C'est une passerelle Twitter, oui. Tout à fait. Donc, dans les paramètres de l'iPhone, on peut maintenant paramétrer son ou ses comptes Twitter, si on en a plusieurs, et partager directement depuis l'appareil photo, depuis plan, depuis plusieurs applications, même Safari, si ma mémoire ne me dit pas de bêtises, ces photos, donc sa position géographique, etc. etc. Et ça fait partie effectivement des nouveautés sociales, on va dire, d'iOS 5. Et ce qu'on attend surtout, c'est est-ce qu'il y aura un Facebook Pour iPad. Parce que pour l'instant, c'est l'appli peut-être qui est le plus manquante aujourd'hui pour la tablette d'Apple. Autre fonction mise en avant lors de cette keynote, c'est la fonction de presse, hein, de Press Center. Je cherche le newsstand. Le newsstand, merci. Alors le newsstand, ils en ont parlé là, effectivement. Ce qu'ils ont dit, c'est que... C'est le kiosque numérique. Voilà, c'est un kiosque numérique. Alors... Le petit problème, c'est que chez nous, Français, c'est encore une chose qui va poser des problèmes, puisque c'est une chose qui risque de fonctionner à peu près partout, sauf en France, pour des tas d'accords avec les éditeurs. On en saura plus, sans doute, à l'issue de la keynote, mais ça a été présenté très brièvement par Scott Forstall ce soir. On n'a pas, évidemment, nous ici, le retour vidéo, donc c'est un peu compliqué de vous faire un point précis. Ouais. Mais tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, il n'est pas prévu pour fonctionner en France, dans les jours qui viennent. C'est en négociation. Et on sait, messieurs, que vous qui appartenez au même milieu que moi, à savoir la presse, qu'il y a un vrai bras de fer entre les éditeurs de presse et Apple sur les conditions de commercialisation des magazines sur l'iPad aujourd'hui. Oui, la question, c'est de savoir qui contrôle l'abonné final. Est-ce que c'est Apple qui sait qui s'abonne, comment, etc. Et qui prélève après l'abonnement de manière mensuelle. Ouais. Parce que pour Apple, ça peut faire du revenu récurrent. Donc, à chaque nouvel abonnement qui est remis en place. Donc, c'est vrai que pour l'instant, les éditeurs ne veulent pas perdre le contact avec les abonnés. Donc, c'est là où ça pose un petit peu un problème. Et surtout pas au détriment d'Apple, qui après pourrait se faire une base de données sur ses abonnés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les éditeurs veulent conserver la main dessus, en grande partie. Donc certains quittent Apple. Mais moi, je voulais simplement peut-être ajouter quelque chose concernant Rodrigo, parce que c'est la plus grande chose que j'ai appris ce soir. Ouais. C'est qu'en fait, il a un jogging Lecoq sportif avant d'aller se coucher. Donc je voulais le féliciter pour son bon goût. Mais je t'emmerde avec le bout de chiottes. On peut rester correct, monsieur. Polo, tu râles Florent. Autant pour moi. Emmanuel, tu peux essayer... Les couleurs flashantes, c'est Ralph Lauren, tu devrais le savoir. C'est vrai, bien, c'est pas de publicité, messieurs, merci. Voilà, il faut qu'il soit sponsor. Emmanuel, tu voulais relancer un petit peu le débat. Non, concernant le fameux newsstands et la façon dont les éditeurs de presse affrontent Apple un peu partout en Europe, hein, il n'y a pas qu'en France. Visiblement, le problème est en effet dans le qui va avoir accès à ces fameuses abonnés, sachant que le problème n'est pas de savoir si Apple ou non y aura accès, puisqu'Apple y a accès forcément, puisque ce sont des abonnés iTunes pour la plupart. Mais les journaux voulaient absolument, eux, avoir une partie des données concernant ces abonnés pour ensuite pouvoir les exploiter à leur manière. Donc, ça n'était pas Apple qui faisait de la rétention, c'est Apple qui disait sur cette histoire, nous, on veut bien vous les passer, mais il nous faut l'accord dans ces cas-là de l'abonné. Et c'est un peu compliqué, toutes ces choses-là. Les journaux ont évidemment un peu appuyé plus fort en disant, mais non, mais c'est très important, il faut que nous ayons cet accès à la base d'abonnés, pardon, à leur email, enfin bref, tout ce que vous pouvez obtenir avec ce type d'abonnement. Et finalement, c'est devenu un axe des négociations entre la presse et Apple, et c'est devenu un axe de négociation très intéressant pour la pomme, puisque finalement, elle n'a pas vraiment remis en cause ces conditions tarifaires, ce que voulaient aussi les journaux. Et puis petit à petit, elle a diffusé ces fameuses informations aux journaux en disant, bon, bah d'accord, bah, alors vous aurez ça, puis vous aurez ceci, puis vous aurez cela. Et finalement, on n'est pas venu sur le vrai problème qu'avaient soulevé les journaux pendant longtemps, qui était la rigidité des tarifs et deuxièmement, le fait qu'ils prenaient une marge que les journaux ne voulaient pas assumer. Alors, on va essayer d'avancer vite parce qu'on a pris du retard par rapport à la keynote, parce qu'ils ont déjà bien avancé par rapport à iOS 5, ils sont déjà sur le créneau d'iCloud. Dernière fonction
solution importante qui, sur laquelle les responsables d'Apple ont avancé. Et c'est vrai que pour les utilisateurs, puisque c'est vous, après tout, qui allez décider s'il faut passer ou pas à iOS 5, qu'il faut rester sur iPhone, une des fonctions les plus intéressantes, certainement, et c'est tout bête, hein, c'est la nouvelle fonction appareil photo sur iOS 5, Alexandre. Le système de, qui permet, effectivement, comme on le voit sur l'image, qui permet, tout est prévu. C'est magnifique. Oui, donc on peut aujourd'hui, comme on voulait... Alors, je te coupe, parce qu'apparemment, Marc, excuse-moi, on reprendra l'histoire de l'appareil photo. Marc, tu essaies de nous joindre, peut-être. Marc, tu nous entends ? Oui, je vous entends. C'était juste parce qu'ils viennent d'annoncer, de confirmer donc iCloud sera disponible internationalement le 12 octobre, donc en même temps que iOS 5. Et iTunes Match sera disponible pour l'instant aux USA. Ils sont en train de travailler sur une disponibilité mondiale et ils en diront plus un peu plus tard. La keynote continue là en ce moment. La keynote continue. Là, on a une pub sur iTunes Match. Très bien. Merci Marc, tu nous rappelles quand tu veux. À plus tard. Donc on va essayer de rattraper un petit peu le retard, ce qu'on a pris, parce qu'effectivement nous on était encore sur iOS 5, mais on commande, donc forcément on prend du retard par rapport au flux de la keynote. Donc brièvement, donc, tu disais l'avancée de l'appareil photo, donc la possibilité de viser beaucoup mieux, je ne sais pas si on peut recaler en régie, formidable. Ils sont trop forts à Vion, bravo encore. Alors l'appareil photo, oui, bon, il y a effectivement quelques nouveautés. Alors en fait, ce sont essentiellement des fonctions qui ont été piochées à droite à gauche dans des petites applications proposé sur l'App Store. Il y a une petite fonction qui est intéressante, c'est qu'on peut aujourd'hui, dès l'écran d'accueil, appeler son appareil photo, plus besoin d'aller le chercher dans son home screen. Mm-hmm. Et donc, on a également accès à un déclencheur par le biais du bouton de volume, une grille de composition qui permet donc de cadrer plus correctement, et quelques petites fonctions comme ça, mais bon, je ne pense pas que ce soit l'avancée la plus intéressante. Ce qu'on attend surtout dans le futur iPhone, c'est un appareil photo qui soit encore de meilleure qualité que ce qu'il est aujourd'hui. On parle de 8 millions de pixels, ce serait effectivement se remettre surtout à niveau du Galaxy S2, oui, essentiellement. Alors, est-ce qu'on peut faire brièvement un petit point de ce qui a été annoncé, ou tu préfères qu'on avance sur iCloud? Alors, il y a une fonction intéressante qui a été annoncée. Concernant iCloud. Concernant iCloud, concernant iOS. Ouais. Qui n'a jamais été dévoilée, vous connaissez tous donc le Find My iPhone, localiser mon iPhone en cas de perte du téléphone. Apple vient de lancer une fonction qui ressemble diablement à ce que fait Google avec Latitude, qui s'appelle Find My Friends, ouais, et qui permet donc de paramétrer son téléphone et ceux de ses amis s'ils sont d'accord, pour savoir où ils se trouvent, alors ses amis, ses enfants, etc., pour savoir où ils se trouvent à un moment donné, de les géolocaliser sur une carte. Voilà. Donc c'est une nouvelle fonction qui n'existait pas avant. C'est vrai que ça t'inspire quoi, cette nouvelle fonction ? C'est intéressant, parce que souviens-toi, dans le dernier Orfel Mac, on parlait d'une application qui s'appelait Echo Echo. Absolument. Oui, et j'en parlais en disant, Latitude, c'est un truc qui permet de partager en temps réel sa localisation entre deux amis, mais tout le temps. C'est-à-dire, je vais ajouter Rodrigo à mon Latitude, Rodrigo va m'ajouter, on sera toujours l'un où est l'autre. Alors, il y a plein de moments où je n'ai pas forcément envie que Rodrigo sache exactement où je suis. Mais il y a plein de moments où ça peut être utile. Echo Echo, c'était cette app qui permettait de demander ad hoc, à un moment précis, un ami, t'es où, je suis où, t'es où, etc. Parfait pour se retrouver, pour un rendez-vous, pour etc. Là, apparemment, le Find My Friends est quelque chose qui permettra de faire un petit peu les deux. Ils ont mis le curseur un petit peu entre la localisation en temps réel constante et puis un truc à la demande. C'est pas inintéressant. Je suis pas sûr que je sois très fan de l'interface. Ils ont mis, on dirait, des bouts de cuir dans l'interface iOS. C'est pas terrible. Mais non, oui, ça forcément, ça va marcher. Je pense que ça fait partie d'une galaxie de services et d'applications spécifiques à iOS qu'ils ont envie de lancer comme moyen de fidélisation des utilisateurs, en disant surtout ne partez jamais à la concurrence. C'est exactement ce que BlackBerry faisait avec le BBM, par exemple, même si les fortunes de BlackBerry étant un peu en train de tourner, le BBM va sortir sur d'autres plateformes. Alors, pour résumer en quelques mots, qu'est-ce que iCloud, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents? Donc à terme, il y aura 11 applications, d'après ce que je lis sur les flux Twitter, 11 applications autour d'iCloud. Mais iCloud, Alexandre, en quelque sorte, c'est une évolution radicale de MobileMe, qui est à la fois un concurrent de Spotify, de Google Doc et de Dropbox. Alors, quelles sont les fonctions clés Alors, ce qu'il faut savoir donc avec iCloud, c'est que l'idée pour Apple est de mettre tout le contenu de son téléphone et de ses devices Apple, que ce soit un Mac, un iPad, etc., sur ce qu'on appelle donc le cloud, le nuage.
Par défaut, là, un compte iCloud est gratuit. Il permet de stocker 5 gigas. Ensuite, il y a différents forfaits qui permettent d'acheter jusqu'à, je ne sais plus combien, peut-être 80 gigas. Je n'ai plus le chiffre en tête, excusez-moi. Ouais. 50 gigas. Alors, sur le cloud, on va pouvoir donc stocker sa musique, stocker ses photos automatiquement. Chaque fois que vous allez prendre une photo avec votre iPhone, elle va être envoyée sur le cloud et répercutée sur vos appareils s'ils sont connectés. Donc, vous prenez une photo chez vous. Votre enfant chez vous peut l'avoir sur son Apple TV s'il a une Apple TV, sur son iPad s'il a un iPad. Les réglages des appareils sont sauvegardés et ça c'est intéressant parce que vous achetez un nouvel appareil, vous rentrez vos paramètres iCloud et tout va être téléchargé automatiquement dans le téléphone. Donc vos contacts, votre agenda, les réglages de vos applications, etc. L'organisation de l'écran, enfin tout ce genre de choses. Voilà. Donc le cloud, c'est le cœur de la stratégie Apple 2012. Il ne faut pas se méprendre là-dessus. Et Apple ne peut pas se louper là-dessus. Alors à côté, juste un petit mot d'Emmanuel, Cédric. Juste un petit mot d'Emmanuel et on te passe la main. Emmanuel. Oui, juste pour dire qu'il va juste y avoir un petit souci en France avec ce type de service, puisque comme l'a révélé récemment PC Impact, le site internet, il y a des réflexions en ce moment assez poussées du côté des ayants droit, ouais. Notamment des copies privées, pour estimer que quand on fait une copie de sa musique sur un système cloud, sur des serveurs, c'est une copie privée et de fait, il faudrait taxer les prestataires de services du type Apple, ouais. Qui devraient payer en fait un droit à copie privée. Alors, je ne sais pas comment ils vont aller le chercher à Cupertino, mais c'est, aujourd'hui, il y a une mission au CSPLA, notamment à la Commission supérieure de la propriété littéraire artistique, sur le cloud et comment taxer le cloud dans le cadre de la copie privée. Emmanuel Torregano, très vite parce qu'on est très en retard par rapport au flux de la keynote. C'est vrai qu'il y a ce risque-là, c'est-à-dire que la commission copie privée pourrait tout à fait se dire, et elle en a les moyens aujourd'hui juridiques, de taxer une partie de ces cache serveurs. Le problème, c'est qu'il existe déjà aussi des textes à l'inverse qui sont là pour défendre d'une certaine manière les FAI en règle générale. Qui exempte ce type de service d'une taxe de type copie privée. Ouais. Donc, c'est une bataille, en fait, entre les ayants droit d'un côté qui souhaiteraient... Dans ce que tu décris, Emmanuel, tu parles à la fois d'iTunes Cloud, c'est pas iCloud, hein, c'est iTunes Cloud, savoir c'est tous les téléchargements de sa musique qui sont gratuits sur tous les appareils de la Galaxy, son jeu de mots Apple. Donc, tous les mots achetés sur iTunes sont dupliqués automatiquement sur tous les autres appareils de la marque. Et puis à côté, il y a iTunes Match, et là c'est bien différent iTunes Match, puisque c'est d'abord, là il va scanner ta bibliothèque iTunes, des morceaux que tu n'as pas achetés sur le site d'Apple, ça peut être des morceaux ripés, des morceaux piratés, et le risque effectivement c'est de légaliser quelque part de la musique piratée. Ça c'est ce qu'on a pu certainement envisager en expliquant les premières, en écoutant les premières explications données par Apple concernant iTunes Match. Ouais. iTunes Match en effet semblait être une sorte de grosse blanchisserie, n'est-ce pas, qui était capable de prendre donc les morceaux piratés et d'en retrouver leur correspondant légal sur les serveurs Apple et vous dire bon ben voilà, on vous remplace votre très mauvais billet mal fagoté contre un vrai billet de dollars. Ça, c'était ce qu'on pouvait estimer des premières explications. Je ne sais pas si on a plus là-dessus de détails sur ce qu'a donné Apple, parce que évidemment tout le monde de la musique a hurlé là-dessus en expliquant que, notamment en France, la DAMI s'est montrée très dure là-dessus. Les États-Unis à la fin du mois, on ne sait pas encore pour le reste. Les morceaux tagués que les ayants droit essayent de pourchasser sur le réseau seront à ce moment-là exclus d'iTunes Match ou pas? Je crois que la réponse n'a pas été donnée et c'est peut-être sciemment, c'est-à-dire qu'Apple n'a peut-être pas d'ailleurs totalement fait sa religion sur cette histoire et va estimer à un moment que le peer-to-peer, certains fichiers reconnus comme étant sur le peer-to-peer, vous n'avez pas le droit. Emmanuel, on doit avancer parce que là les choses encore ont pris une autre tournure. On a à peu près rattrapé sur iCloud, mais ils ont pris l'avance encore chez Apple. Avec l'iPod, c'est Phil Schiller qui est monté sur scène pour présenter par les matériels des nouveaux iPods. Phil Schiller, un revenant, on dirait certains. Oui. Donc il y a en fait l'iPod, les iPods font l'objet de quelques mises à jour. Ouais. Il y a l'iPod Nano donc qui continue d'exister. Ils ont simplement baissé le prix puisque le 8 Go passe à 129 $. Le 16 giga à 149 $, avec une petite nouvelle application de fitness, ça c'est pour l'anecdote. Avant c'était 169 € en France. Voilà, et l'iPod Touch sort maintenant en version blanche. Alors est-ce qu'elle va arriver tout de suite ou dans un an, on verra. Mais le prix baisse également puisque le 8 giga passe à 199 $, le 32 giga à 299 $. Et le 64 giga à 399. Bien, et on est raccord puisque c'est le moment où Marc nous appelle. Marc, tu as quelque chose à nous dire, je crois.
Oui, ça y est, l'iPhone S existe. L'iPhone 4S existe, il vient d'être annoncé. Voilà, juste après les iPhones, on rappelle dans quelques minutes pour vous dire ce qu'il y a de plus, parce que pour l'instant, tout le monde applaudissait. D'accord. Bon, ah, voilà, première nouveauté, il y a un chip F5 inside. Donc, il y a une puce A5 à l'intérieur, c'est bien tout ça. Tout à fait, tout à fait. Ok, est-ce que c'est le One Morphing? Est-ce qu'ils ont fait une slide avec un One Morphing ou pas? Je ne peux pas te dire, et puis en plus, on vient de me demander de me taire, là. Donc, je vais être obligé de te laisser. Comment, Marc? Tu vas te laisser faire par Apple? Ce serait bien la première fois. Merci, Marc, à tout à l'heure. À bientôt. Donc, revenons, on va revenir sur l'iPhone 4S brièvement. Donc, nouveaux iPods, ça c'est fait. Là, le Shuffle serait toujours disponible, on est d'accord? En 2 gigas. Ouais. Par contre, c'est officiel, l'iPod classique, c'est terminé. Alors, quand Apple tue un produit, il ne le dit pas, donc, mais quand Apple le garde, ils le disent. Donc, on peut imaginer que l'iPod classique est terminé, effectivement. Ouais, l'année dernière, si on n'avait pas parlé, il était encore sur l'Apple Store le lendemain. Hein, donc, ouais. Ça veut pas, c'est pas c'est forcément là. Il y a eu un petit communiqué et immédiatement après la keynote pour l'année dernière, effectivement, bien. Pour dire qu'il continue à exister. Donc, l'ex-talk iPhone, ça y est, l'iPhone 4S semble être arrivé. On a à peu près rattrapé notre retard. J'essaie de l'éliminer. C'est pas Cook qui parle, hein? C'est pas Cook, non. C'est Eddie Q qui est sur scène, qui est en charge, et vice-président chargé de... Non, c'est Schiller. C'est Schiller? Non, c'est Schiller. Qui parle. Tiens, Cédric, tu n'as pas dit un mot depuis un moment. On avait demandé si tu es toujours là. Tu en penses quoi des dernières annonces de ce 4S? Je suis un tout petit peu surpris par la durée de tout ça. C'est-à-dire, oui, nous aussi. Vous voyez les images sur Phil Schiller qui en remettait des tartines. Non, mais qui en remettait des tartines sur l'iPod Nano. Quel ennui profond. Ouais. C'était pour mieux t'absorber. Pensez à toi. Voilà, je pense quand même que, je sais, il a raison Alexandre, c'est pas dans le modus operandi habituel d'Apple, mais je pense que l'iPod classique aurait mérité qu'on lui dise au revoir honorablement plutôt que de le passer par profits et pertes, tu vois comme, mais dis donc, tu sortais pas avec machin, machin, non, machin n'existe plus, c'est un peu mafieux, c'est, ah tiens, il est pas venu, machin, non, on n'en parle plus, il n'existe plus. Voilà, ça, d'autant qu'il avait presque 10 ans, c'était 23 octobre 2001, il faut s'en souvenir. Mais il avait soufflé sa deuxième bougie le 23 octobre. Ouais. Donc on en est à une heure de keynote pour voir l'iPhone 4S. Là, ça y est, hein, je suis prêt à vous parier un mois de salaire, il n'y a pas d'iPhone 5. Un mois de salaire? Ouais. Bon, écoute, on va voir. Non, Cook, il va bien reprendre la parole. Cook va prendre la parole, il va faire un One Morphing quand même. Pendant qu'on s'ennuie, là, sur le graphisme de la 5, ouais. Moi, je voulais juste revenir un petit peu sur le cloud. Ils sont en train de présenter la puce A5, ouais, effectivement. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'on suppose qu'on va être tout le temps connecté. Ouais. C'est un impact sur les abonnements mobiles, data. Il va falloir quand même réinventer les abonnements actuels. Parce que moi, par exemple, à Paris, j'ai été limité en débit. Je suis passé en même pas Edge, quoi. J'étais en GPRS parce que j'avais dépassé mon quota sans qu'ils me préviennent vraiment quand j'ai dépassé mon quota. Si tu synchronises tout le temps. Ouais. Ça a un impact sur les batteries parce que tu es tout le temps en communication, en train de communiquer. Donc, le cloud, oui, mais ça implique beaucoup de choses. En termes de pricing, c'est assez étonnant. C'est 10, 50 et 100 dollars. 100 dollars, c'est ce que coûtait MobileMe à l'époque. Est-ce qu'ils essaient d'avoir des parts en plus dans les gens là-dedans? Est-ce qu'ils veulent en faire un business? Je ne sais pas pourquoi c'est payant d'ailleurs. Ça ne devrait pas être payant. Ils devraient inventer autre chose. Donc, est-ce qu'ils ont plus de gens qui ont l'abonnement à 100 dollars ou la combinaison des 10, 50, 100 dollars que ce qu'ils avaient en MobileMe avant? Moi, l'impression générale que ça me donne, hein, cette keynote qui est chiante comme la pluie quand même, il faut le dire. Merci d'encourager les gens qui nous regardent. Hein. C'est sympa. Il ne se passe rien. En revanche... Cédric, dis quelque chose. Attends, mais en revanche, j'ai l'impression que c'est le nouveau meneur de revue, Tim Cook, qui présente son état-major. Mmh. Et qui dit, voilà, c'est moi qui suis aux commandes, tacac, tout va bien, State of the Union. Et maintenant, mon bras droit, le premier, c'était qui déjà? Scott Forsdale. Mon deuxième bras droit, bras articulé, le mec d'iCloud et DQ. Mon troisième bras droit, Phil Schiller. Et voilà, on va tenir la barque à nous quatre ou cinq dans le futur. C'est tout ce que je vois dans cette keynote. Breaking news, oui, Microsoft arrête le Zune, c'est un papier du Monde. Parce que Microsoft voulait quand même arrêter son Zune avant l'arrêt du classique d'Apple. Ouais. Ben voilà, tu vois, Microsoft, au moins ils ont quand même la décence d'annoncer qu'ils arrêtent un produit. Il n'est peut-être pas arrêté, l'iPod classique. Tu vas voir que l'année dernière, il y a un an jour pour jour, effectivement, Steve Jobs n'en avait pas parlé sur scène, et un peu hâtivement, on avait dit qu'il était arrêté, et puis le lendemain, il était toujours en vente. Juste pour dire que vous pouvez toujours envoyer les mails à Emmanuel Torrigano, puisque le titre fait moins 1,3%. Là, c'est la chute. Donc voilà, pour les remboursements, hein, vous savez où envoyer vos fiches.
Alors, je ne sais pas où on en est au niveau des vues en direct. On était plus de 10 000 tout à l'heure. Je ne sais pas si en régie, on peut me faire ci sur le nombre de vues. En direct, sur, on refait le max sur Clubic, sur la page fan d'iCreate. Encore merci à plus de 10 000. Hein, c'est le chiffre que j'avais tout à l'heure qui nous regarde en direct. Encore un mille merci à Vuon, notre prestataire technique qui nous accueille dans ce magnifique studio avec ses magnifiques moyens techniques. On peut pas, vraiment, on n'en revient pas tellement que ça marche bien. Écoutez, j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous qu'on fait pour faire cette émission. Je sais pas très français ce que je viens de dire, mais c'est dur parce que j'ai un retour dans l'oreille. Bref, l'iPhone 4S, il est en fond l'art. Pour l'instant, c'est le scénario d'une mise à jour, je dirais, minimale, avec simplement donc une puce A5. Le même design, apparemment, messieurs. Apparemment, Apple n'a pas fait machine arrière, malgré Alexandre. Design sur les côtés, c'est le design de l'antenne, mais j'attends que ce soit confirmé. Alors, infirmé c'est par ce que j'allais te dire, Cédric. Est-ce qu'Apple a modifié le design de ses antennes par rapport à l'affaire, souvenez-vous, il y a l'année dernière, l'été dernier, c'était bien, du temps de l'antenne à Gate. C'est exactement le même. A priori, sur les photos, ça y ressemble beaucoup. Non, il y a deux encoches supplémentaires, mais qui doivent être celles aussi qu'on retrouvait sur le CDMA. Donc ça a l'air d'être le même. Alors, il faut que tu regardes la caméra, que tu parles un peu plus fort. Oui, excusez-moi. Voilà, tu n'es pas tout seul. Donc pour vous dire, je comparais avec l'image qu'on a de la keynote. Ça ressemble beaucoup quand même. Avec une présentation, ça a l'air d'être exactement le même, hein, pour être clair. La disposition des boutons est la même, sauf peut-être le bouton de silence. Donc le bouton de silence a l'air d'être un peu plus bas. Donc ce qu'on retrouve, en fait, c'est visiblement un iPhone universel, c'est-à-dire CDMA et UMTS. Mais en bas à droite et en bas à gauche, les fameuses encoches qui sont là et là, celles qui sont celles du grip de la mort, c'est-à-dire quand vous tenez votre iPhone comme ça, au bout de 40 secondes, vous n'avez plus de réseau, elles y sont toujours. Donc je ne sais pas si Apple a réussi à travailler un système technique qui permettrait de modifier, ou en tout cas d'atténuer cet effet du grip de la mort, ce qui quand même serait un peu compliqué, parce que Steve nous a bien expliqué longuement, lorsqu'il y a eu le fameux antenne à Gate, que c'était des lois physiques contre lesquelles Apple ne pouvait rien, qui faisait que vous avez un grip de la mort et qu'il était d'ailleurs sur tous les autres appareils téléphoniques du même genre. Donc là, l'iPhone 4 qui est montré, visiblement, n'a aucun changement graphique. Je dis ça pour Cédric qui attendait une nouveauté, quelque chose de nouveau, quelque chose de fort pour cette keynote. J'espère que ça arrivera après, parce que sinon, en effet, on assiste à la mise en bière de tout un héritage d'Apple, c'est-à-dire les keynotes. Peut-être la fin. On est peut-être devant la dernière ou l'avant-dernière. Je crois qu'il ne faut pas dramatiser. Apple a présenté l'iPhone 3GS et a gardé le 3. Moi, j'ai envie de croire que c'était une autre époque, mais j'ai envie de croire, étant donné le peu de nouveautés dans les spécifications de l'iPhone 4S, en dehors de la puce A5 et donc du graphisme 7 fois plus rapide, que Apple va présenter quand même un iPhone 5 d'ici la fin de la keynote. C'est-à-dire que Cédric va nous verser son salaire, c'est ça? Cédric verse son salaire, mais Cédric, moi je lui donne juste un petit billet parce que j'ai un salaire beaucoup moins élevé que le sien. Je lui préfère plus. Hein. Si dans 5 minutes il n'y a pas d'iPhone 5, je parie 2 mois. Alors, on essaie de rattraper le cours de l'action Apple. De la keynote. On a des infos concernant les specs, apparemment. Alors, l'iPhone 4S est doté de deux antennes avec un logiciel qui peut passer de l'une à l'autre. Il est compatible avec la 3,5G à 14,4 mégabits. HSPA. Donc, voilà. Ouais. La batterie est améliorée puisque l'autonomie passe à 8 heures en appel 3G, 14 heures en appel 2G. 10 heures en vidéo, 40 heures en musique, blablabla. On aura tout ça. Il n'est pas 4G. Voilà. Donc il y a quelques améliorations essentiellement sur le 3G, donc qui passe de 7 heures à 8 heures. Voilà, c'est la seule grosse avancée apparemment. Ils vont forcément avoir un terminal 4G, quoi. Ah, ils ont expliqué qu'il y avait un système contre l'antenne à Gate. Ouais. Il y a visiblement, Apple propose sur son nouveau 4S un système intelligent qui permet de switcher, donc de passer d'une antenne à l'autre pour améliorer la réception et la transmission. Donc je reprends mon effet Bonaldi. Oui. Quand vous mettez votre main comme ça sur l'iPhone, les antennes, la qualité de réception s'effondre littéralement parce que votre main fait conducteur entre deux endroits où elle ne devrait pas. Et donc visiblement, le 4S aurait un système intelligent, précise Apple. On aurait aimé que ça soit un système idiot, mais il ne l'est pas, qui permet à l'iPhone de détecter, à mon avis, je vous dis ça parce que je suppute,
en voyant les explications, que si vous tenez mal votre iPhone, comme disait Steve, il va aller recevoir sur les autres antennes de l'appareil et ainsi conserver une qualité de réception, on va dire, standard ou plutôt bonne. Ça a l'air d'être ça, sous toute réserve. Donc merci. J'aurais peur de persifler, mais ce que Phil Schiller est en train de nous dire, en gros, c'est que le problème d'antenne n'était pas un problème, mais qu'ils ont trouvé la solution. Et oui, ça, je trouve que ça mérite d'être remarqué aussi. Je viens de découvrir qu'on pouvait discuter avec la régie, avec iChat, formidable. Donc ça va nous simplifier beaucoup la tâche. Donc on va avoir le chiffre en direct, j'attends, des connexions des gens qui nous regardent en ce moment. Je crois que c'est 13 000. 13 000. Vous êtes près de 13 000 à nous regarder en direct sur le flux On refait le Mac, disponible sur Clubic, sur iCliet. Ça y est, on fait plus d'audience que LCI. C'est vrai qu'on ne répond pas tout de suite. Tu as raison de dire des choses comme ça quand je suis à 10 000 km. Tu me les diras en face si tu as. Voilà, donc encore une fois, un grand merci, un peu de calme, messieurs, pour Johan, notre prestataire technique qui nous permet de réaliser cette émission, de mettre à disposition ses moyens techniques et son savoir-faire. Une petite breaking news. Oui, on a quelques informations sur l'appareil photo qui, effectivement, sur le 4S, passe 8 mégapixels. Donc, il revient au niveau du Samsung. C'est une définition, pour être parfaitement exact, de 3264 par 2448. Donc, évidemment, l'écran, c'est toujours un 3,5 pouces. Toujours, a priori. Ouais. Donc, les rumeurs comme quoi c'était un 4 pouces sur, possiblement sur le 4S, c'est pas fondé. On va voir peut-être sur le 5. Tu disais quelque chose sur le 5 tout à l'heure? Non, je disais que s'il n'y avait pas de 4G, ça serait quand même un affront un peu pour les utilisateurs. La 4G, c'est une réalité sur le marché phare d'Apple aux États-Unis. Voilà, elle est lancée aux États-Unis. Il y a déjà des terminaux aujourd'hui qui permettent de recevoir. Il y a des terminaux HTC, il y a un terminal Samsung, je crois, de mémoire. Donc, ça serait quand même étonnant qu'Apple ne fournisse pas de 4G. Mais j'ai bien peur que ça soit le cas parce que là, il a l'air de dire que Apple arrive à avoir quasiment l'équivalent d'un réseau 4G avec son système HSPA à 3G. Attention, 3G, parce qu'il faut savoir ce qu'on appelle 4G et ce n'est pas la même chose pays par pays. Ici, au Japon, la 4G, c'est du LTE. C'est la vraie 4G, oui. J'ai envie de dire. Oui. C'est-à-dire des débits avec des dizaines et des dizaines de mégabits. Aux États-Unis, ils ont joué un peu sur les mots. C'est-à-dire que le HSPA+, aux États-Unis, pour certains opérateurs, eux, ils disent c'est de la 4G. Le WiMAX, c'est de la 4G. Voilà, c'est un peu compliqué parce que, par exemple, si mes souvenirs sont bons, Galaxy S2, il est vendu aux États-Unis par un opérateur qui dit il fait de la 4G. Si vous demandez à Apple aujourd'hui en France, il fait de la 4G, non. Mais alors, pour les Américains, ça suffit. En fait, aux États-Unis, la 4G, tout ce qui est considéré comme 4G, c'est un débit supérieur à 20 mégabits par seconde. Exactement. C'est la norme aux États-Unis. Donc cela dit, les opérateurs ont acheté des licences très chères donc, pour la 4G en l'occurrence. Donc ils veulent les rentabiliser et Verizon notamment a déployé un réseau 4G. Ah stop, un iPhone 5, ça y est. Non, je plaisante. Breaking news. Alexandre. Quelques petites informations qui vont faire plaisir à notre ami Rodrigo, puisque l'appareil photo, en plus de faire 8 mégapixels, est doté d'un filtre infrarouge intégré et ouvre à 2.4 focales. Alors, tu en penses quoi des performances, des spécifications techniques de l'iPhone 4S au niveau photo? On sait que tu nous avais beaucoup insisté sur ce que tu voulais, toi qui es un photographe amateurs et qui en fait beaucoup d'ailleurs, si on suit ton fil Twitter et ton fil Facebook. Rodrigo. Flickr.com/rcpulveda, allez voir ce que je fais. Il y a des jolis pépés du CEATEC qui sont déjà en ligne. Pauvre garçon. Où nous sommes. Je crois qu'il y a une chouette annonce, il faudra tester et regarder les différences. Ouais. 8 mégapixels, c'est ce que fait le Samsung S2 de mon voisin, ouais. Qui fait, je vous le répète, de meilleures photos que mon iPhone 4 depuis cet été, et ça fait chier. Ouais. Mais mon iPhone 4 est quand même très bien, et ça suffit largement pour les photos tous les jours, pour les mettre sur le web, pour partager, il est très bien. Sauf en basse lumière. Ouais. Et là, je ne sais pas si vous avez vu le slide sur Engadget qui est passé, ouais. Le nouveau capteur fait 73% de plus de lumière. Mm-hmm. Ça veut dire qu'en basse lumière, quand vous êtes à l'intérieur, quand vous êtes, quand vous êtes le soir ou quand il y a très fort contraste, on risquerait d'avoir de meilleures photos et ça, c'est très très bien. Ouais. Le capteur, c'est la seule chose intéressante de la soirée, de ce qu'on raconte. Hein. Oui, pour toi en tout cas. Ouais. Pour toi, mais... Et le jogging. Et le jogging. Et le jogging quand même. Sauf vous, les fanboys, quoi. C'est le seul truc intéressant. C'est toi qui me traites de fanboy, c'est l'asile qui se moque de l'hôpital. Hein. On croit rêver. J'ai l'impression qu'il y a des comparaisons qui sont faites entre les différents appareils de photos et les performances. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez vu passer les slides, messieurs. Tu en penses quoi, Rodrigo? Ouais, on attendra peut-être que lesnumériques.com nous fasse le test en vrai, parce que pour l'instant,
les pourcentages de machin et les vitesses de shutter, etc. C'est intéressant. Et de fait, l'un des problèmes des appareils photo sur smartphone, ouais, c'est que ça reste des appareils photo quand même d'entrée de gamme par rapport à ce qui se vend comme appareil photo autonome. Et donc, par exemple, la vitesse de prise de vue est souvent un problème. La vitesse entre plusieurs prises de vue peut être un problème aussi. Mais c'est important parce que c'est vrai que ouais, l'iPhone 4 était le premier smartphone qui avait un vrai appareil photo, super convaincant. Et c'était un peu dommage qu'il perde l'initiative. Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur la caméra HD. Rodrigo, il y a une fonction de détection. Il y a les vitesses d'obscuration. On les a eu avant toi à Paris. Hein. Ouais, mais. Vous savez, dans les appareils photo les plus gros, c'est le rideau qui descend ou pas, etc. Non, mais je veux juste rappeler que c'est vachement important quand Carl Lewis il court le 100 mètres en moins de 10 secondes. Quoi. C'est vachement important. Mais ils sont combien à courir en moins de 10 secondes le 100 mètres? Pas beaucoup. Hein, pas beaucoup, beaucoup. Le commun des mortels, si on le court en 12 ou 13 secondes, c'est pareil. Donc on s'en fout de ces specs. D'accord. Donc voilà, donc j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. On dirait que c'est l'oreillette. Apparemment, il y a une fonction de détection de visage, Rodrigo. C'est plutôt un gadget, ça, Rodrigo, on est bien d'accord. Non, c'est pas un gadget, c'est bien parce que ça suit la mise au point des gens. Il y a plein de caméras photo, caméras vidéo aujourd'hui qui le font. C'est extrêmement utile pour la mise au point. C'est vous loquer sur quelqu'un et puis après vous recadrez, etc. Et ça regarde la photo au clair. Mais tous les trucs d'entrée de gamme moins cher que l'iPhone le font. Hein. Et apparemment, on a des nouveaux concernant la caméra. Alors, la caméra qui était jusqu'à maintenant HD 720p passe à 1080p. Donc c'est du full HD quand on dit 720p auparavant. Bon, franchement, est-ce qu'on vraiment voit une différence? Simplement que le fichier sera plus lourd sur l'iPhone. Moi, pour l'instant, je trouve que c'est en effet relativement inquiétant, pas pour les mêmes raisons forcément que mes acolytes réunis ici sous la chaleur des projecteurs ou à Tokyo dans la moiteur de la nuit. Ouais. Je trouve que ce qui est plus inquiétant, c'est qu'on voit en effet une keynote de geek. Et de la part d'Apple, Steve parti, est-ce que ça veut dire que le virage marketing, et là-dessus je rejoins un peu ce que disait Rodrigo, on s'en fiche un peu finalement des spécifications des appareils photo. Très franchement, je crois que ça intéresse à peu près plus personne de savoir si vous avez un 5 ou un 8 millions de pixels, à part une frange, on va dire, réactionnaire des geeks qui se contente, enfin qui veut absolument qu'on lui vende de la spec. Je crois que ça, c'est un peu fini. Apple avait relativement bien réussi ce virage-là en expliquant à un moment que ce qui comptait, c'était iOS, que c'était d'avoir les fonctions au bout des doigts, que c'était de faire un très bon téléphone et pas forcément le téléphone le plus performant, même s'ils aimaient bien dire quand même qu'ils étaient plus performants que les autres. Et là, on a affaire à une keynote de geek, c'est-à-dire qu'on revient en arrière, dans l'histoire même du marketing d'Apple. Donc, je suis un peu inquiet, en effet, de ce point de vue-là. Et peut-être que je suis le seul, d'ailleurs, à avoir cette inquiétude. Ça m'embête beaucoup. Oui, ça m'embête parce que leur marketing était différent. Ce n'était pas un marketing de boîte qui montrait de la spécification technique. La course à la puissance, ça les intéressait. La course à la puissance, le fameux mythe du mégahertz, c'était quelque chose qu'ils avaient abandonné très vite pour des raisons aussi liées au fait qu'ils ne pouvaient pas le suivre. Mais il n'empêche qu'ils avaient proposé autre chose. Toute une part de la crédibilité d'Apple aujourd'hui dans le grand public, elle était liée justement à cette proposition différente et alternative. Et là, aujourd'hui, on voit une keynote de geek, il faut dire les choses clairement. On voit des specs avec des pourcentages. Je suis 7 fois plus rapide, je suis 14 fois plus de débit ou des choses comme ça. Très franchement, ça n'intéresse pas grand monde dans le grand public, si ce n'est en effet les gens qui veulent absolument avoir l'appareil qui est du dernier cri ou de la plus grosse... Enfin, vous voyez quoi. Il n'a pas tort, Cédric, Emmanuel. Je me souviens que lorsque le premier iPhone est sorti en 2007 de mémoire... l'ensemble du marché a répondu uniquement avec des spécifications techniques, c'est dur à dire. En fait, alors qu'Apple lui misait à fond la carte du design et de la simplicité, ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont plus grand-chose à dire aujourd'hui sur ce créneau-là pour uniquement répondre Ils savent qu'ils vont être attaqués sur les specs et sur une spécification essentielle qui est celle de la taille de l'écran. Parce que c'est en plus le truc qui quand même saute aux yeux quand on met l'iPhone 4 face à ses concurrents aujourd'hui. Et en plus, il y a un effet de cliquet. C'est-à-dire que passer à un plus grand écran, on revient pas en arrière à un plus petit. Surtout quand en plus la qualité va avec. Quoi. Donc
Donc voilà, je pense qu'ils ont, ils ont poussé sur les specs où, où l'iPhone 4S est fort, sur la photo, sur tout ça, parce qu'ils savent que voilà, il faut des arguments à mettre dans l'argumentaire de vente, dans les communiqués de presse, etc., pour dire regardez, cet appareil est mieux que la concurrence. Mais là, ça va être difficile. Alors, breaking news, on a du nouveau concernant une fonction très attendue sur l'iPhone, Alexandre. On parle bien sûr de la reconnaissance vocale qui arrive dans l'iPhone. Voilà. Donc. Oui, alors, elle va aller plus loin. Elle va aller plus loin, cette reconnaissance vocale, puisque, en gros, il est. Alors, c'est Siri qui va être en charge de la reconnaissance vocale de l'iPhone. Et Phil Schiller a simplement posé la question, est-ce que ce ne serait pas bien de pouvoir poser une question à son téléphone et que celui-ci vous réponde. Donc, je pense qu'il va y avoir maintenant quelques démos là-dessus. Ouais. Et en tout cas, ça confirme les rumeurs qui tournaient depuis. Depuis quasiment 6 mois, en fait, sur la reconnaissance vocale. Hein. Il se réveille, l'ami Emmanuel. Pour rappel des épisodes précédents, pour ceux qui n'avaient pas suivi, donc Apple a racheté Siri, qui est un spécialiste de la reconnaissance vocale, 200 millions de dollars, ouais. C'est ça, Alexandre ? J'ai plus le chiffre en tête. Je l'ai là, voilà. Tout va bien. Bah, si tu l'as, c'est que c'est bon. Bah oui, j'ai travaillé. bah oui, le système de reconnaissance vocale, donc c'était un peu le point faible, on est tous d'accord, messieurs, oui, sur l'iPhone. Hein, on pourrait m'en dire, lorsqu'on souhaitait passer un appel, ça marchait à tous les coups. Il y avait des systèmes de kit main libre pour automobile ou pour moto qui fonctionnaient bien mieux, notamment du côté de chez Parrot. Là, on sent bien qu'Apple souhaite être plus ambitieux, non seulement pour piloter les contacts et lancer les appels, mais piloter bon nombre des fonctions de l'iPhone. C'est ce qu'on appelle les fonctions d'accessibilité, hein, qui sont faites essentiellement d'abord pour les personnes qui ne peuvent tout simplement pas utiliser leurs mains ou leurs doigts sur un écran tactile. Et évidemment, une fois qu'on ne peut plus faire ça, un iPhone devenait pas très utile. Aujourd'hui, on pourra donc simplement commander son téléphone à la voix, d'après ce qu'on comprend pour l'instant. On va en savoir plus, je pense, dans les minutes qui viennent. Il va te dire le météo. Peut-être. Mais ça me rappelle une application de Nuance, pas toi ? Écoute, alors, on sait que Apple était également en cheville avec Nuance et Dragon sur différentes choses, notamment sur le Mac. Ouais. Alors peut-être que Apple a dit Siri pour l'iPhone et Nuance pour le Mac, on ne sait pas, on verra. Il y a une application qui fait déjà très bien ça, oui, bref. Il y a Google qui le propose aussi, voilà, sur Android avec le Surface. C'est ce que j'ai été dire, Alexandre, c'est Emmanuel. C'était l'une des forces du monde Android, du monde Google, la reconnaissance vocale. Et Apple, d'abord, avait retoqué pas mal d'applications pendant un temps de Google qui offraient ces fonctions à l'iPhone. Ouais. Et puis finalement, Google s'est rendu compte que c'était un avantage qu'ils avaient. Et ils ont mis le paquet là-dessus par rapport à l'iPhone avec Android. Oui, alors il y a eu une version qui est sortie aux États-Unis il y a maintenant un an sur les téléphones Android. Là, il vient d'être lancé en Europe parce qu'il faut savoir aussi que l'intonation de la voix dans les différents pays européens, eh ben, c'est pas la même qu'aux États-Unis, donc il faut des systèmes d'algorithmes qui soient modifiés en fonction des pays, du langage et même des accents au sein d'un même pays. Tu vois, ton petit accent corse, par exemple, on pourrait avoir un souci avec, par exemple. Donc, est-ce que là, Apple va le lancer au niveau mondial, ou est-ce qu'il va falloir, pareil, qu'il y ait des adaptations pays après pays ? Est-ce que ça va être lancé directement en France ou seulement aux États-Unis dans un premier temps ? On va voir, pour l'instant, ils n'ont pas répondu. On suppute. Des adaptations pays par pays. Je vous rappelle qu'en chinois, le mot ma avec 9 intonations différentes veut dire 9 choses différentes. Donc il y a des langages plus faciles à comprendre que d'autres. Je faisais la réflexion, en fait. Moi, j'ai souvenir, ici, vous vous prenez dans les rues à Tokyo, vous ne verrez jamais personne avec une oreillette Bluetooth. Personne ne parle seul dans la rue parce que c'est parfaitement ridicule. Ici, on ne vend pas d'oreillette Bluetooth et les gens ne parleront jamais à leur téléphone parce que c'est parfaitement ridicule. Dans le métro, c'est interdit. Ouais. Et en plus, dans le métro, on ne passe pas d'appel vocaux. C'est vrai que c'est quelque chose... Pour revenir, messieurs, je suis d'accord que c'est intéressant qu'il y ait une bataille sur les fonctions, etc., sur le vocal entre iOS et Android. Mais moi qui ai un peu l'état de l'art du vocal sur le Galaxy S2, je ne l'utilise pas ou très peu. Ça va intéresser les Américains qui passent 4 heures par jour dans leur voiture parce que là, ils vont pouvoir demander des trucs à leur iPhone, etc. Donc ça, c'est chouette. Mais je ne pense pas que c'est le cœur de la bataille. Alors, on en sait un peu plus sur cette fonction. C'est plus qu'une fonction, Il y a une application qui s'appelle justement Siri, l'assistant vocal de l'iPhone s'appelle Siri. Et donc, d'après ce qu'on sait, ce qui arrive, c'est qu'on va pouvoir lui parler de façon assez naturelle. Par exemple, lui demander quel temps il va faire pour prévoir comment s'habiller. Lui demander de régler l'alarme de son téléphone à telle heure, etc. etc. Donc, c'est plus qu'une simple fonction, c'est une application d'assistant complète. C'est-à-dire qu'on peut carrément, on n'a plus besoin de savoir utiliser un produit, on a juste à lui poser une question. En quelque sorte, oui.
Voilà. On a la fonction, la valeur ajoutée qui va toucher un autre public que les geeks, là, Emmanuel. Certainement un peu, mais je rejoins malheureusement aussi ce que dit Cédric. Malheureusement. Cédric ? Non, pas malheureusement le fait de rejoindre Cédric, mal, mais je suis assez d'accord pour dire avec lui que je ne suis pas certain que ça soit vraiment un usage. On a cru, en gros, rappelez-vous aussi la réalité augmentée. On a pensé à un moment que les gens allaient tenir leur iPhone comme ça dans la rue et puis regarder ce que sur l'écran on leur apportait comme données supplémentaires et que ça allait être là encore une révolution ergonomique et d'usage de ces appareils. Et finalement, ça ne l'a pas été parce que, comme dit Cédric, c'est ridicule de tenir son appareil comme ça dans la rue devant des 50 personnes qui, à ce moment-là, se demandent bien ce que vous faites. Et puis surtout, vous les identifiez. Donc, la commande vocale, c'est un peu la même chose. Moi, je m'en sers un peu. J'essaye d'appeler les gens avec la commande vocale. J'ai un tiers de réponses exactes de la part de l'iPhone, les deux tiers qui sont ajoutés. Peut-être que je l'utiliserai un peu plus si le service est plus fiable. C'est tout ce qu'on lui demande aujourd'hui pour ceux qui l'utilisent. Et je pense qu'on est une minorité. Donc ce n'est peut-être pas en effet ce qui va vraiment faire la différence. Mais je pose la question autrement. Qu'est-ce qui aujourd'hui, par rapport à un iPhone ou par rapport à un Android, ferait vraiment la différence? C'est-à-dire que le concept est là, on le connaît. C'est un écran qu'on va aller toucher et une puissance qu'on amène qui est celle de l'ordinateur et cette facilité d'utilisation que propose iOS ou Android même d'une certaine manière. Finalement, le paradigme, il est relativement complet. On l'améliore à la marge avec une meilleure lentille pour l'appareil photo, avec un assistant pour ceux qui veulent, comme le dit Cédric, utiliser leur iPhone depuis leur voiture sur les highways américaines. Ça, c'est possible aussi. Mais finalement, le concept, il est là. Le faire évoluer vers quelque chose de réellement révolutionnaire, ça serait aller sur autre chose. Et je ne pense pas que cette autre chose, on l'ait avant au moins 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, on ne fait qu'améliorer un système qui est relativement bon, qui a fait ses preuves. On va améliorer peut-être le design avec l'iPhone 5. Regardez, on a passé l'assistant, on a passé l'iPhone 4S. Logiquement, il devrait y avoir un petit One More Thing et peut-être un iPhone 5, non ? Ouais, on va voir. Non, mais c'est de Doline, Emmanuel. Parce que c'est un peu le serpent de mer de l'informatique. Hein. Je te rappelle que Bill Gates, quand même, avait dit un jour, Windows sera commandé par la parole. Et on l'attend encore. Ouais, et puis Apple aussi avait fait des tentatives pas toujours heureuses, le temps de macOS 9 notamment, mais d'un autre côté, la puissance des téléphones, la puissance des ordinateurs aujourd'hui permet peut-être de le faire. Quoique Google a choisi un modèle différent, puisque le système de reconnaissance, il est en ligne, il n'est pas dans la machine, Cédric. C'est du cloud. Oui, oui, bien sûr, il est en ligne, parce que le truc, c'est en fait, c'est une extension vocale de ce que sait faire déjà Google, mais évidemment, du coup, il faut que ce soit connecté, parce qu'il faut qu'il reconnaisse ce que vous dites, et en gros, s'il ne comprend pas, il le passe dans Google, à peu de choses près, pour essayer de deviner ce que vous voulez. Mais ouais, je suis d'accord avec Emmanuel sur le fait que voilà, c'est pas vital. Mais regarde le temps qu'il a fallu, par exemple, pour que la dictée vocale devienne une technologie qui marche vraiment. On se souvient, il y a 10 ans, il fallait dire « Je suis ravi de dicter ». Aujourd'hui, on fait des phrases. Ouais. C'est pas pour autant devenu le moyen révolutionnaire que tout le monde utilise pour entrer du texte dans son Mac ou son PC. Mais par contre, les gens qui l'utilisent, eux, en sont ravis. Donc moi, je suis ravi qu'il y ait... Et apparemment, l'assistant Siri est quand même vachement bien foutu. Ça a l'air pas inintéressant. Mais oui, ça restera limité à un sous-ensemble de la population, mais qui adorera l'application. Donc c'est formidable. Alors là, il y a une démo de Scott Forstage, je crois... Alexandre, concernant... C'est les petits trucs habituels. Hein. Scott Forstel est surtout dédié aux démos sur scène. Hein. C'est pas pour minimiser son rôle. Mais c'est pas la partie la plus sympa qu'il a joué dans les keynotes, lui. Non, par contre, on a pas mal de réactions sur Twitter qui vont un petit peu dans le sens de ce que dit Cédric, et même certains se demandent si Samsung ne va pas tuer Apple à Barcelone lors du prochain Mobile World Congress, si on n'assiste pas ce soir à la mort d'iOS face à Android. Alors, je ne suis pas sûr qu'on doive aller aussi loin. Oui, non, mais c'est vrai qu'en matière de... On s'attendait à ce que Apple soit le porte-étendard, le leadership de l'état de l'art du smartphone aujourd'hui. Si on s'arrête au 4S, ce ne sera pas le cas. Quoique après, on peut encore discuter sur vaut-il mieux un écran 4,3 pouces d'un Galaxy S2 ou un Retina Display avec une résolution supérieure en 3,5 pouces. Emmanuel. Ça fait plaisir. Quel lancement. Non, je voulais dire, si vous prenez aujourd'hui les spécifications qui sont données pour le 4S, donc une nouvelle puce graphique, je ne crois pas qu'Apple a encore le A6 à disposition. Un meilleur appareil photo, l'assistant vocal qui fonctionne dessus. Qu'est-ce que le 5 pourrait apporter? Un plus grand écran, c'est tout?
Malheureusement, je ne suis pas certain que le 4 pouces, même si Cédric se jettera dessus, je le sais, si jamais il sort, fait vraiment l'unanimité dans le grand public. Donc, il est très possible que le 4S soit vraiment, finalement, la machine qu'Apple compte le plus vendre les 8 prochains mois. Et que si le 5, on le voit... Le prix, hein. Attendez, je finis. Et si le 5... laissez-moi parler, je vous ai laissé parler. J'aimerais pouvoir terminer. C'est pas merci. Non, non, c'est vous. Excusez-moi, j'aimerais finir mon raisonnement là-dessus. Donc, si... Je vous demande d'arrêter d'envoyer des valises. Et donc... la vraie question, c'est que si Apple propose aujourd'hui l'iPhone 5, qu'est-ce qu'il aura de plus que celui-ci ? Il aura un plus grand écran, c'est vrai, c'est possible. Peut-être aussi une meilleure autonomie, et ça, je serais aussi relativement content, parce que moi, je pense que c'est le critère le plus important sur un smartphone en ce moment encore. Et donc, si le 5 arrive, il sera finalement le supplémentaire, mais pas celui qui va être le plus vendu. Là, j'ai l'impression que c'est ce que Apple veut nous dire. Et cette oreillette ne sert pas à parler avec Steve Jobs ou Tim Cook. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on est là-dedans. On est dans un A4S qui sera le plus vendu, celui qui va être mis en avant, et le 5 qui sera l'appareil. Toi, Paul, tu crois encore que le 5 sort, on est bien d'accord. Hein. Non, ouais, si jamais. D'abord, je voudrais dire à mes amis boursicoteurs que ce n'est pas la peine de faire plonger l'action Apple juste parce que j'ai dit qu'il fallait en acheter. On veut avoir le morphing, c'est vrai. Emmanuel Paquette. Il ne peut pas y avoir de man morphing. Regardez les specs de l'iPhone 4S tel qu'il est présenté là. Ça ne laisse pas de place à un autre appareil. C'est ce que je voulais dire. Il n'y aurait pas eu de modèle 64 gigas. Enfin, voilà, toutes ces choses qui font que... Il ne reste pas de place là. Si la seule différence, comme on le disait avant même le début de la keynote, c'est la taille de l'écran et l'épaisseur du téléphone, ce n'est pas possible. Apple segmente ses gammes beaucoup mieux que ça. Je suis très triste que M. X ne soit pas avec nous parce que là aussi, il mettrait de l'ordre en disant non, petit, ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Il aurait fallu que cet iPhone 4S soit vraiment représentatif de l'entrée de gamme pour qu'Apple lance un autre téléphone avec. En même temps, je ne sais pas, il y a des gens sur Twitter qui s'excitent en disant oui, mais Apple nous a promis et n'a pas délivré. Non, Apple n'a rien promis. Du tout, non. La seule promesse d'Apple, c'est la régularité. Apple ne lance qu'un téléphone à la fois. C'est pareil, ça n'a jamais changé. Et ben, c'est pas encore ce coup-là que ça change. Moi, je suis quand même persuadé d'un truc, c'est que tout le programme de cette keynote, il a été fait par Steve Jobs comme punition pour Tim Cook. Pour lui dire, tu vas voir, à l'occasion de ta première keynote, tout le monde te dira, c'est pas aussi bien que Steve. Ouais. Encore des nouvelles fonctionnalités concernant, enfin des nouvelles informations concernant le système de reconnaissance vocale. Alors, si on sait déjà que Siri, donc pour l'instant, est capable de donner la date de sortie de l'iPhone 5, on sait en revanche qu'il intègre deux nouvelles choses qui sont Wikipédia et un moteur de recherche intelligent qui s'appelle Wolfram Alpha, qui permet de poser des questions en langage naturel. Juste une question, une autre là-dessus, parce que là on en est pratiquement à faire la conclusion finalement, parce que je pense qu'on va... Non, mais la keynote va certainement s'arrêter sur la fin avec un Tim Cook qui revient pour annoncer l'ensemble, et le One Morphing, ce sera peut-être Steve Jobs qui monte sur scène pour dire au revoir. Non, ce que je voulais dire, c'est que rappelons-nous que Apple, dans cette histoire, a estimé que sur son marché, il n'avait pas besoin de présenter peut-être un autre téléphone. Là-dessus, je suis d'accord encore une fois avec Cédric. Il n'y a pas de place pour autre chose, ou ce que je disais tout à l'heure, ou alors c'est un grand écran ou une meilleure autonomie, mais ça ne le fait pas finalement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Apple laisse la place avant la fin de l'année à un autre produit, et là-dessus, je pense que Cédric va être très content, puisque ça serait l'Apple TV. Non, vous ne pensez pas que finalement, la vraie question, ça serait de soutenir un marché de l'iPhone, de soutenir un marché de l'iPhone avec un appareil plutôt solide. Visiblement, c'est assez solide, ça va faire la dose. Je pense que là-dessus, ils ne sont pas complètement idiots, ils savent très bien qu'ils seront sur un trend relativement positif avec cette machine. Peut-être pas pendant un an, ça c'est clair, mais qu'il laisse la place à une autre façon, à un autre appareil qui, à ce moment-là, délivrera beaucoup plus de chiffre d'affaires, parce qu'on ne parle plus du tout de la même chose, qui serait un Apple TV, un marché totalement vierge pour Apple et qui est super mal foutu. Moi, je n'ai plus acheté de télé depuis très longtemps parce qu'il n'y en a aucune qui me plaît. Cédric, on sait que c'est ton dada, l'Apple TV. Bah moi, c'est le seul truc que j'attends maintenant de keynote en keynote. Les infos maintenant, parce qu'à force de passer dans des conjectures, il y a plein de gens qui ont compris que c'était mon hobby. C'est rigolo, à chaque fois j'en parle sur Twitter, ils disent « Mais monsieur Drick, il faut que tu attendes la télé, elle va venir. » Je finis maintenant par avoir des trucs qui ressemblent à des informations. Et on s'en reparlera, je pense que voilà, sur les tailles d'écran, sur ce qui est en train de se passer. Même ici au Japon, parce que Apple investit de l'argent avec des constructeurs de panneaux japonais. Bref. Mais clairement, on aura l'occasion d'y revenir dans au film qu'on largement on fera toutes les semaines, non, jusqu'à Noël 2012. On fera une spéciale. On sera d'inviter un constructeur très célèbre
de Dahl qui essaiera de parler de la concurrence d'Apple. Ce sera courageux de sa part. On ne peut pas encore en parler parce que ce n'est pas encore signé, mais on fera une spéciale télévision d'ici la fin de l'année, logiquement. Donc, on a l'info s'il est 64 gigas ou pas, parce que Rodrigo semblait le dire, mais je n'ai pas vu passer l'info. Alors, je ne l'ai pas vu non plus. Qui aura la même capacité, en clair, que d'un iPod Touch aujourd'hui. Qu'un iPod Touch, oui. Alors, on peut imaginer qu'avec une caméra HD 1080p, les 64 gigas ne seraient pas de trop. Oui, effectivement. Les langues. Alors oui, important sur Siri, puisque l'info vient de tomber. Siri, donc, qui utilise le moteur de nuance, va parler très bien l'anglais, l'allemand et le français. Voilà. Donc voilà. L'espagnol, ni le chinois Pas encore, hein. C'est en bêta. C'est en bêta. Mais Cédric, je crois, a raison. Le seul truc que fait cet iPhone 4S, c'est se mettre au niveau du marché. Et comme les autres, là, ceux qu'on est en train de voir sur le trading floor sont en train de passer au-dessus, ils vont devoir faire un truc vraiment incroyable à l'iPhone 5 pour dépasser. Ouais, non, mais ça, c'est l'iPhone 5 depuis cet été, quoi. Ouais, voilà. Honnêtement, je suis entouré partout d'Apple fanboy. Quelqu'un me disait, ouais, mais toi, t'es un fanboy Android. Moi, je suis un fanboy de l'état de l'art. J'ai eu un iPhone 4 pendant un an et j'en ai été ravi. Et c'était la première fois que j'utilisais vraiment un iPhone comme téléphone de base. Et on a passé de très bons moments ensemble. Ouais. Évidemment, quand le Galaxy S2 est arrivé, je l'ai mis à côté. J'ai dit, ah oui, ça va pas être possible. Tu peux configurer le mode vibreur maintenant sur iOS 5, hein, Cédric. Je peux quoi ? Oh, c'est mignon. Il est tard chez nous. Nous, on a le droit. Toi, pas encore. Non, mais non. Et honnêtement, je me suis posé la question il y a un mois quand on nageait dans les rumeurs. Et je me suis dit, bon, si ce qu'on voit comme étant l'iPhone 5 sort, est-ce que je re-switch ? Et honnêtement, j'étais prêt à le faire. Il est évident que là, l'iPhone 4S, j'hésite, mais... Non, enfin, là, honnêtement, pour moi, la taille de l'écran est un deal breaker parce qu'évidemment, quand tu as passé la barre des 4 pouces, tu peux plus revenir. La richesse d'informations que tu affiches à l'écran, etc., a vraiment plus rien à voir. J'avais peur en repassant à Android parce que j'étais déjà passé dans le monde Android avant, de pas m'y retrouver en termes d'applications, etc. Ça, pour l'essentiel, c'est terminé. Il y a vraiment plus que Instagram, je crois, qu'il y a pas sur Android. Bon, c'est important, mais enfin, c'est pas dramatique. Donc non, quoi. Voilà, je suis désolé. Pour l'instant, c'est un peu deal breaker. J'ai l'impression d'être pas le seul sur Twitter. Ah si, et ça, c'est truc perso. Je suis entouré donc de fanboy Apple partout, qui quand même maintenant regardent mon téléphone en disant, c'est pas mal, fais voir. Ah ouais, c'est pas lourd. Ah ouais, c'est fin. Et quand je leur dis qu'en plus la suite arrive, que ce soit chez Samsung ou d'autres constructeurs, ils disent, ah oui, mon prochain téléphone, je vais quand même regarder ça d'un peu plus près. Donc de fait, Apple a fait le choix de la rentabilité, mais je pense que la question chiffres et chiffres de vente, chez Samsung, HTC et les autres, on est en train de se frotter les mains en disant c'est la meilleure keynote Apple qu'on ait eue depuis des années. S'il n'y a pas de one more thing. Une chose dont on n'a pas parlé ce soir et qui est indissociable de l'iPhone et de l'iPod, qui ont été tous apparemment renouvelés, c'est iTunes, qui était jusqu'à maintenant, avant l'arrivée d'iCloud, le seul moyen de synchroniser ces différents appareils de la galaxie Apple, encore un jeu de mots. Alors, il se passe quoi ? Il évolue pas, iTunes ? Alors, iTunes, effectivement, on n'en a pas parlé ce soir. Par contre, ce qu'on peut rappeler dans iOS 5, c'est que iOS 5 peut se passer aujourd'hui d'iTunes, mais à 100%. C'est-à-dire qu'avec iOS 5, on peut prendre son iPhone ou son iPad, le sortir de la boîte et le configurer directement comme un nouveau device sans le connecter à son ordinateur. Donc ça, c'est aussi une grosse nouveauté d'iOS. Sur l'iPad, on rentre dans l'AirPods PC véritablement et on n'a pas besoin de connecter son appareil pour le démarrer quand on l'achète. On n'a plus besoin de le connecter à quoi que ce soit, donc ça devient en plus une très bonne raison d'en faire un cadeau à quelqu'un. Oui, et puis là, on peut supposer que maintenant les smartphones ou les téléphones peuvent être, pas l'alter ego, mais en tout cas des... Ce sont des compléments, mais ils sont complètement autonomes, ouais, des ordinateurs. Ouais, des ordinateurs. Rodrigo, tu disais quelque chose ? Non, rien, on lisait un tweet de notre ami Jérôme Colombin de France Info qui dit que sa fille de 8 ans trouve que la keynote est nulle. Mais ça nous fait rire. Ça nous donne de l'entrain, Cédric, ça nous donne de l'entrain pour continuer, mais on y arrive. Mais bon, bref. Oui, donc l'iPhone 4S, pour l'instant, donc on en sait quoi aujourd'hui. On essaie de faire un petit résumé de une sorte de portrait robot, Alexandre, de ce produit. Donc, une puce A5 identique à celle de l'iPad. De l'iPad, voilà. Alors, sur les capacités mémoire, pour l'instant, j'ai pas... Alors, elles arrivent. On va peut-être relancer sur autre chose. Elles sont en train de tomber, les capacités mémoire.
Ils sont en train de les annoncer. Là, je n'ai pas encore les chiffres. Un appareil photo 8 mi- On a en revanche donc l'appareil photo 8 mégapixels, caméra Full HD, etc. Système de reconnaissance vocale. Très important, un système, une application baptisée Siri, qui est un véritable assistant vocal à qui on va pouvoir parler en langage naturel. Donc, quel temps fait-il demain ? Est-ce que tu peux programmer mon alarme à 7h demain matin, etc. Et donc, le fait de nommer à la conférence Let's Talk iPhone, on comprend mieux aujourd'hui. Voilà, on parle aujourd'hui à son iPhone. Et on parle d'iPhone. Alors juste pour aller dans le sens aussi de Cédric, oui, je pense qu'il y a un autre acteur qui est en train de se frotter les mains, c'est Nokia qui, à la fin du mois, normalement, doit faire une annonce de ses nouveaux smartphones sous Windows. Mm-hmm. Je pense que là, ils doivent être un petit peu plus rassurés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont sauvé leur avenir, hein, loin s'en faut. Mais voilà, enfin, même, oui, effectivement. Non, c'est plutôt 8 maintenant. Parce que c'est Windows 7 Mango, puis 8. Ouais. Et donc, le 26 octobre prochain, il y aura les démonstrations. Tu as les prix ? Ben oui, les prix sont très bas. Allons-y. Mais alors, très bas. On a la capacité mémoire qui sont de 16, 32 et 64 gigas. Et alors, ce qu'effectivement, il fallait qu'on dise, c'est qu'Apple pouvait effectivement réagir sur le prix pour contrer Android. Et donc ? Donc, le 16 gigas est à $199, le 32 à 299 et le 64, le flagship, est beaucoup moins cher qu'un iPhone 4 actuel puisqu'il est à $399. Autrement dit, j'en prends deux. 100 ans. petit précision, sans abonnement ou avec abonnement? C'est du nu. C'est avec un abonnement, bien évidemment. Alors, c'est avec abonnement. D'après Marc Mitrani qui est en ligne, c'est avec abonnement. Ah, pardon, d'accord. Sinon, un iPhone 4. Mais ça reste, il n'en reste pas moins que le 16 gigas n'est pas cher du tout. Et on parle là du 4S. Et je pense que le 4 va continuer à exister. Oui, qui sera nouveau entrée de gamme. Voilà. Le 4S est disponible le 14 en France. En précommande d'ici 3 jours, le 7. Voilà. Mais donc Emmanuel ne pourra pas l'acheter puisqu'il est ruiné, puisqu'il doit rembourser les gens qui ont acheté un titre Apple. Si tu veux l'acheter, ça va remonter. C'est à peine le prix d'une action Apple, iPhone 4S. Il faut l'acheter après la Il y a le prix de l'ensemble de la gamme. Le 3GS est gratuit. L'iPhone 4 est à... Non, c'est ce qui est marqué. L'iPhone 4 est à $99, donc j'en prends deux. Et l'iPhone 4S, c'est donc les prix qu'on vient de dire, avec en effet l'abonnement. Alors là, ils ont donné comme exemple Verizon, je crois. Ouais. Mais il y a tout le monde, AT&T et Sprint aussi. Et tout ça, évidemment, va arriver aux US, au Canada, en Australie. Donc l'iPhone 4 continue sa carrière et passe aussi sous la barre des $100 avec abonnement. Voilà. Et le 3GS continue. Donc le 3GS, ça devient gratuit. C'est l'iPhone Nano qu'espérait Monsieur X, à savoir le produit d'entrée de gamme vendu $1 ou €1, voire gratuit, si on en croit le site d'Apple. On est vraiment sous la pédale, hein, clairement. Oui, enfin, je ne sais pas. Cédric, on espérait beaucoup l'arrivée d'un produit d'entrée de gamme pour contrer les Android à bas coût. C'était la théorie échafaudée avec notre ami. Et en fait, c'est le 3GS qui continue sa carrière et qui va être presque offert avec les abonnements, c'est bien ça. Ouais, enfin, un 3GS aujourd'hui, really, tu vois, ça a plus de 2 ans. T'imagines, c'est quand la dernière fois qu'on t'a acheté un téléphone qui est sorti il y a plus de 2 ans. Ouais. Donc, ça peut être, ça fait un téléphone offert, mais c'est un peu ce qu'on attendait comme suite plutôt pour un iPhone 4, peut-être avec un peu moins de stockage et comptant plus sur iCloud. Et en même temps, c'est vrai que c'est compliqué parce que faire un téléphone d'entrée de gamme, donc qui est censé être vendu avec des abonnements d'entrée de gamme, des forfaits d'entrée de gamme, et qui reposerait sur iCloud, donc sur énormément de trafic de données, je pense que c'est un truc difficile à faire avaler aux opérateurs. C'est donc pour ça que ça va pas le faire. Donc voilà, ça sort dans 7 pays, dont la France, les États-Unis, le Japon, etc., le 14 octobre, tout comme on avait dit. Emmanuel. Je reviens sur ce que je disais concernant Nokia. Aujourd'hui, Nokia arrive à s'en sortir parce qu'ils vendent massivement justement des téléphones entrée de gamme dans beaucoup de pays, notamment les pays en voie de développement. Là, s'ils sont challengés, s'ils sont attaqués par Apple avec un 3GS à bas prix, je retire ce que je viens de dire sur Nokia. Ils vont être mal parce qu'ils se faisaient attaquer sur le haut de gamme, sur du smartphone, ils n'arrivaient pas à contrecarrer. Là, maintenant, ils se font attaquer sur de l'entrée de gamme. Et le titre Nokia fait moins 3,50 en bourse. Alors, je ne sais pas si c'est directement lié, mais je pense que Nokia maintenant a du souci à se faire sur de l'entrée de gamme, alors que là, ils étaient en train de se focaliser sur du haut de gamme. Cette fois-ci. La stratégie d'Apple aujourd'hui, c'est une stratégie de prix. Elle n'est plus une stratégie sur vous proposer un produit qui soit relativement plus élevé que tout le monde. Ils vont aller contrer les Samsung et compagnie. La conférence est terminée. Hein. Petite parenthèse, donc il n'y aura pas eu de One More Thing, ni d'iPhone 5. Cédric, tu peux garder ton salaire.
Fini, Emmanuel Torigano. Fini, Emmanuel. Pourquoi ? Non, je pense qu'en effet, on va regarder l'action Apple, mais je pense que les marchés n'avaient pas peut-être anticipé cette stratégie d'Apple sur le prix, qui, je crois, n'est pas une stratégie non plus qui consiste pour eux à mettre à mal leur marge, parce que le 3GS, il est évidemment amorti depuis très longtemps. Il utilise, comme disait Cédric, des composants qui ont 2 ans aujourd'hui, donc ils les touchent encore beaucoup moins cher. Le 4, c'est à peu près pareil. On sait pertinemment que Apple ne va pas baisser sa marge sur cette histoire. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que les marchés seraient trop sévères avec Apple. Il faudra attendre demain et après-demain. Il faudra regarder aussi ce qui se passe en after hours. Parce qu'évidemment, il faut que les gens puissent emmagasiner et traiter toutes ces données et se disent, bon, ben voilà, quelles sont les perspectives sur les marchés de 3 appareils et non plus un seul, de 3 appareils qui ont une gamme de prix relativement cohérente, qui ont des spécifications qui ne tiendront pas 1 an, c'est clair. Je suis d'accord là-dessus. Le Samsung ou HTC surtout, moi je regarde surtout HTC en ce moment et moins Samsung, ont vraiment devant eux des boulevards pour convaincre les quelques geeks qui s'accrochent absolument aux spécifications pour acheter un appareil téléphonique. Ça, c'est vrai. Ils ne pourront pas tenir cette distance-là. Donc, ils ont certainement conservé en magasin une vraie révolution design, une vraie révolution d'écran ou de puissance. C'est possible. Une chose est sûre, c'est qu'au fil des années, on a été extrêmement gâtés, en tout cas ces 3 dernières années par Apple, avec la sortie de l'iPad, la sortie de l'iPhone 4. Il faut se rappeler qu'autrefois, du temps où les premiers iPhones sont sortis, les iPhones n'étaient pas forcément les meilleurs téléphones en termes de spec du marché, mais ils étaient les plus simples à utiliser et les plus, je dirais, attirants en termes de design du marché. On va voir si ils reviennent un petit peu à leur stratégie de base, et on va voir si ça va suffire pour endiguer les ventes d'Android et Windows Phone 7. Windows Phone 7, ça va être facile. Juste une parenthèse, Emmanuel. Je ne suis pas certain qu'Apple veuille, freiner les ventes d'Android. Ce n'est pas leur problème. Aujourd'hui, leur problème, c'est comment conserver un parc et une croissance de leur appareil qui se fait d'une certaine manière à côté de leurs concurrents directs, enfin en tout cas de ceux qu'on pensait être leurs concurrents directs. Je te coupe, Emmanuel, puisqu'on a Marc Mitrani au téléphone. Marc, la conférence est terminée. Bonjour. Ce fut un long marathon pour finalement, on a envie de te dire, Marc, tout ça pour ça. Ben, comme d'habitude chez Apple, il y a ce « much ado for nothing », c'est-à-dire beaucoup de bruit pour rien, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de changement. Bon, d'accord, s'ils nous font le coup de l'iPad 2, avec peut-être le seul truc intéressant dans toute cette présentation, les deux seuls trucs intéressants, c'est l'amélioration de l'appareil photo, à voir, parce que les photos qu'on a vues, bien évidemment, sont spectaculaires, et l'assistant personnel Siri, dont la démonstration qu'on nous a faite est vraiment impressionnante. Maintenant, reste à savoir ce que va donner ce produit, puisqu'il est en version bêta pour l'instant, et chose intéressante, il est en bêta, mais il est disponible en anglais, français et en allemand, dans un premier temps. Voilà, pour une fois, Apple n'est pas américano-centrique. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Est-ce que tu penses que Apple, finalement, en avançant à son rythme, en ne regardant pas l'état de l'art du marché, on pense à Android, on pense au Galaxy S2, qui est aujourd'hui la référence du marché. Est-ce que tu penses qu'Apple a suffisamment de longueur d'avance avec son écosystème, avec iOS, avec ses applications, pour convaincre les utilisateurs à rester dans l'environnement et au-delà en conquérir de nouveaux marchés ? Oui, ça me fait un peu mal de dire ça, mais oui, je pense qu'ils ont une avance. C'est que Android va rester avec son image cheap et mainstream, et Apple va cultiver son image haut de gamme avec ce produit, sachant qu'ils vont quand même attaquer en bas de gamme, puisqu'ils ont annoncé donc que le 3GS allait revenir sur le marché, donc avec un abonnement en gratuit. Et donc l'iPhone 4, je crois, serait à $99 en 16 gigas. Bien. 8 gigas. Excuse-moi, c'était un peu le loto ici, j'ai noté ce que j'ai pu comme chiffre en fait. Voilà, en tout cas merci Marc, ça n'a pas toujours été évident de te faire intervenir tout au long de cette émission. Non, d'autant plus que j'ai failli me faire taper par les gardes chiomes d'Apple, puisque je parlais un peu trop au téléphone. Ouais, mais en tout cas merci à toi, merci de nous avoir. Je vous en prie, c'est un plaisir, à bientôt. Et on se rappelle très vite après l'émission, merci Marc. Au revoir. Emmanuel. Oui, juste pour dire, si dans la bataille avec Google, il y a quand même, faut pas minorer le fait que Wolfram Alpha rentre à l'intérieur d'Android, d'iOS, pardon, parce que c'est aujourd'hui la technologie qui fait peur à Google, c'est le mode de recherche par langage naturel. Oui. Si vraiment Wolfram Alpha fonctionne, on attaque le cœur du métier de Google qui est le search, et le search par la voix, si ça fonctionne, ça peut vraiment faire du mal à Google. Emmanuel.
Là-dessus, je ne suis pas tout à fait sûr. Je pense que le vrai problème de Google aujourd'hui, c'est en effet de réussir à conserver la plupart des constructeurs comme étant quasiment exclusifs sur Android quand ils ont des smartphones. Et aujourd'hui, on voit bien que l'écosystème proposé par Android, donc par Google, ne satisfait pas complètement les fabricants. L'initiative de vouloir reprendre Motorola Mobile inquiète beaucoup plus, à mon avis, les concurrents et donc par ricochet, aujourd'hui Google, qui se dit soit je deviens un intégrateur, c'est-à-dire que j'arrête mon système à proprement libre et gratuit pour les autres, et puis je conserve pour moi des mises à jour un peu plus intéressantes et je fais de l'intégration. Parce que de l'autre côté, ils savent très bien que l'utilisation, parce que quand même, vous vous rendez compte, Android, leur vrai critère sur lequel ils doivent être jugés, n'est pas du tout le nombre d'activations par jour. Je crois qu'ils vont annoncer très bientôt qu'ils en font 1 million par jour, justement, des activations. Ce qui est extraordinaire chez Android. C'est vrai que c'est extraordinaire. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, et dans les bilans proposés aujourd'hui par Google, excusez-moi, je suis un peu fatigué, et c'est vrai qu'il fait très chaud, c'est très compliqué de savoir quels sont les revenus qui sont réalisés par Google sur la publicité et qui leur reviennent dans cette histoire. Aujourd'hui, on est à des chiffres qui sont autour $1 milliard par trimestre, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Schmidt, il y a 2 ans, quand il lançait Android, disait « Dans quelques années, on est à 14 ou 15 milliards de chiffres réalisés de pubs sur les mobiles. » On en est très loin. Donc, la vraie question... Oui, tout à fait. La vraie question d'Android n'est donc pas le nombre d'activations, n'est pas le nombre d'appareils vendus. Ça, c'est un problème de constructeur. Ce n'est pas un problème pour Android. Le vrai problème, c'est est-ce que ce système de pub fonctionne réellement sur les mobiles, ou en tout cas, est-ce que par la masse d'appareils qui sont générés sur Android, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est pas certain. Moi, je pense que le virage vers Motorola Mobile, ça ressemble un peu à, pas une contre-vérification, mais en tout cas, un test pour savoir pour Google si ça vaut pas plus la peine. Avant de passer... Je sais qu'Alexandre, à côté de moi, n'est pas d'accord. Emmanuel, moi, j'allais dire que, ce que fait Google, c'est un peu une validation de l'écosystème d'Apple. Je suis assez d'accord avec... Je pense que c'est un test. Ouais. Moi, j'ai pas d'avis. Emmanuel dit des choses contradictoires. Il dit ce qui c'est pas important les activations d'Android. Et en même temps, il faut avoir une masse suffisante pour vendre de la pub. Donc, il faut bien avoir une activation massive de téléphone sous Android pour... toucher un maximum de gens pour de la publicité. Mais le vrai critère, c'est l'argent généré. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment quelque chose de très strict. Google, c'est toujours créé là-dessus. Tout le temps, Google, c'est créé par un usage maximum. Google est né comme ça, il n'y avait pas de revenus. Un usage maximum du moteur de recherche. Après, on trouve un modèle économique. YouTube, pareil, on achète YouTube, on achète un usage qui se généralise. Après, on trouve un modèle économique. Android, c'est la même chose. On prend un usage massif et après, on trouve un modèle économique. C'est l'histoire de Google. L'histoire de Google a toujours été celle-là. C'est on voit si les utilisateurs mordent à l'hameçon, et quand ça mord massivement, on génère de la pub sous différentes formes. Donc, et dernier petit point concernant Motorola, on va conclure. On oublie juste que dans Motorola, il y a effectivement les brevets dont on n'a pas beaucoup parlé. Donc, pour se protéger des attaques d'Apple sur la violation de brevets. Et par ailleurs, il y a une division qui est quand même des set-top box, donc des petits boîtiers, dans lequel, qui aujourd'hui Motorola est assez fort, donc dans lequel on pourrait mettre Android pour amener Android sur les téléviseurs de salon, via une set-top box. Donc, il n'y a pas simplement que de la téléphonie mobile chez Motorola. D'accord. Avant de passer à la question du concours qu'on organise cette semaine pour gagner des applications FIFA 2012 d'Electronic Arts, petite question quand même de Twitter avant de partir. Alors, avant une petite question, il y a un certain Jean C qui nous fait remarquer qu'on est tous en gris et que ce n'est pas très fun. On ne peut pas lui donner tort. On croirait un débat de la primaire socialiste. Moi, je trouve. Il manque juste Rigolette. Pas vrai, ils ne sont pas tous regardés. Mais on n'a plus l'image de Cédric, il y a un petit souci avec sa caméra, mais on a encore le son. En revanche, il y a une question. Il est avec le coq sportif bleu. Une question mérite d'être répondue. C'est. De la tenue, monsieur Rodrigo. Il y a près de 15 000 personnes qui nous regardent, hein, s'il vous plaît. Voire plus, alors qu'il est. Peut-être même 20 000, mais je n'ai pas le chiffre encore. Est-ce que j'ai dit que le studio, c'était le studio de Vion? Je ne vous ai pas dit que c'était. Je vous le répète. Encore merci à Vion pour son aide et son efficacité technique. Moi, je propose qu'on réponde à une question de Matt Boudet qui est intéressante et effectivement qui n'a pas forcément été très claire, mais on a la réponse, ça tombe bien. Ouais. Est-ce que la fonction de reconnaissance vocale Siri est disponible pour l'iPhone 4 ou uniquement l'iPhone 4S? C'est une bonne question. Et tu as la réponse. Alors la réponse, c'est que a priori c'est uniquement pour l'iPhone 4S et ça fait partie à chaque fois qu'Apple lance des produits des features qu'ils incluent dans les nouveaux pour donner envie d'en changer ou d'aller l'acheter. Voilà. Et c'est un pari qu'on avait fait d'ailleurs il y a 6 mois dans le magazine.
Alors, je vais demander à la régie de préparer le jingle et on va tout doucement, tout tranquillement, on va prendre notre temps pour lancer le jingle et pour annoncer la question, la question. Non, nous d'abord, parce que maintenant, ça y est, on nous revoit. T'as pas, t'as même pas il est de retour. Mais ouais, on nous voit et tout marche bien. Moi aussi, je veux remercier Matt Boudet sur Twitter qui essaie de me consoler en disant, en fait, pourquoi est-ce qu'Apple ne lance pas d'iPhone 5? C'est parce qu'ils sont trop occupés à développer l'Apple TV. Ouais. Moi, je pense qu'il est en train de se passer plusieurs choses chez Apple. D'abord, il faut imaginer quand même que pourquoi est-ce qu'on attendait? Alors, moi, je suis en train de voir l'explosion des fanboys sur Twitter en disant, mais pourquoi? Mais Steve n'est plus là, ça y est, c'est la fin. Et pourquoi n'y a-t-il pas d'iPhone 5? Il y a des gens qui disent, et c'est intéressant, qui disent, Apple nous avait promis un iPhone 5. Non, Apple a rien promis du tout. Apple a communiqué sur rien, donc je vois pas pourquoi on pouvait attendre un iPhone 5. C'est enregistré, tu répètes toujours la même chose. Apple avait juste promis une périodicité avec un nouvel iPhone tous les ans, mais en même temps, la transition 3G-3GS, c'était déjà passé comme ça. Non, je pense que c'est la dernière fois qu'Apple laisse sortir quoi que ce soit qui ressemble à un prototype de téléphone hors de ses murs, en tout cas assez loin pour que les fabricants de pochettes et d'accessoires l'attrapent. C'est terminé, parce que l'attente créée par le buzz et par les rumeurs et par les simili-prototypes va faire très très mal à Apple en termes de vente. Et déjà un peu, ça avait gonflé les attentes déjà des investisseurs. On voit que l'action fait un peu du yo-yo. Et puis, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un iPhone 5 quand même très très vite. D'accord. En tout cas, l'attente est grande. L'attente est grande, Cédric, en croire ce que tu viens de faire. Il y a une chose très intéressante et je crois, enfin, en tout cas, qui est très rare. Si vous tapez aujourd'hui Apple, enfin maintenant Apple.com sur votre navigateur, vous allez arriver sur une page qui vous dit Access Denied. C'est même pas une erreur 404, c'est accès refusé. Donc c'est tombé. Juste un point pour dire que. Alors je fais un point bourse. Ça fait 2h10 quand même. Un point bourse, point bourse. Apple donc est en retrait selon Bloomberg de 1,84%. Selon Yahoo Finance, il est plutôt à 3,11% en retrait. Retrait 3%. N'est-ce pas? Donc ça commence à faire beaucoup. Je ne sais pas qui est le plus à même. Qu'est-ce qu'il y a dit en amont de la keynote déjà? Tu remboursais. Non, pas du tout. Je maintiens mon ordre. Ça veut dire qu'il vaut mieux acheter maintenant que au début de l'émission, parce que c'est moins cher. Bien sûr, je maintiens mon ordre. Et deuxièmement, Google baisse aussi. Donc j'ai l'impression surtout qu'on a un marché global américain qui est baissier et que ce n'est pas forcément lié aux effets de la keynote. Parce que les analystes sont des gens formidables. Oui, Rodrigo, je t'en prie. Et ce sera le dernier. On va passer après à la question du concours et à vos coups de cœur. Oui. Ouais, je voudrais revenir juste sur la nouvelle gamme de prix d'iPhone. Je crois que Zara a raison, enfin Torregano a raison. Ouais. C'est une guerre de prix pour aller chercher le bas du marché et peut-être les pays émergents où ils étaient sur du feature phone et leur proposer du smartphone. Mais et le 3GS et l'iPhone 4 sont présentés en 8Go. C'est vraiment l'entrée de gamme. C'est totalement insuffisant pour un usage régulier d'un smartphone. Moi, j'ai 32 gigas sur mon iPhone et je voulais de virer des trucs régulièrement. Oui, mais t'achèteras un 4S. Je pense que c'est soit pour écouler des stocks, soit pour aller chercher de la part de marché pour annoncer plus tard et avoir plus de pression sur les opérateurs. C'est clairement quelque chose pour aller un petit peu plus loin. Et ce qui m'étonne énormément, c'est que le seul critère de différenciation de prix entre le 16 giga que t'es à $200 et les autres qui se gagnent $100 à chaque fois, c'est la capacité mémoire. Donc on dépend d'un composant qui est fabriqué en Asie et c'est le seul critère qui fait la différenciation des produits. C'est pas les fonctionnalités, c'est pas la durée de batterie, c'est pas le processeur, c'est pas la capacité de l'écran, c'est juste la capacité de la mémoire. C'est étonnant. Alors d'un autre côté, Tim Cook, c'est le roi de la supply chain et c'est lui qui sort des milliards de dollars, hein, je pense que c'est 3 ou 4 milliards pour acheter des composants à l'avance. Mais pour une boîte qui fait du marketing, on devrait pouvoir faire rêver sur autre chose qu'un critère technique de 16, 32 ou 64 gigas. Merci Rodrigo. Là, je pense que la régie est calée. On peut passer aux questions, à la question du concours. Normalement. Alors, la question du concours pour gagner, la question de notre concours pour gagner 5 applications FIFA 2012, 5 licences pour iPad ou iPhone. Quelle est la question, Alexandre ? Eh ben, on va simplement vous demander quelle est l'adresse postale. L'adresse postale, je dis bien. non pas de Steve Jobs, mais de l'auditorium dans lequel se déroulait la keynote ce soir. On ne veut pas le nom de la ville, on veut l'adresse postale. De l'auditorium, vous avez quelques secondes pour répondre. Répondez sur Twitter. Avec l'hashtag question ORLM. Question ORLM avec l'hashtag question ORLM. On donnera les réponses du gagnant, les 5 gagnants, à la fin de cette émission. Il n'y en a plus pour longtemps, rassurez-vous. Nouveau jingle, on va passer à vos coups de cœur.
Alors, les coups de cœur, on va commencer par Alexandre. Quel est ton coup de cœur ce soir? Alors, mon coup de cœur, c'est ta voiture, Olivier. Ma voiture. C'est cette petite chose. Et je voilà. Tiens à dire qu'elle est quand même un peu plus grande que ça. Oui, la tienne est un peu plus grande. Alors, ça, c'est Biwi qui fait ça. C'est une Mini Cooper S. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette Mini Cooper S de spécial? C'est qu'elle est simplement radiocommandée par le Bluetooth de l'iPhone. Alors, là, pour être exact, elle existait déjà sous Android et même sous Symbian. Le fait qu'elle soit rouge marque le modèle iOS, donc le noir est pour Android, si je ne dis pas de bêtises. Et donc maintenant, on peut faire des courses de Mini Cooper au bureau, même si on a un iPhone. J'en veux une. Et ça coûte 60 €, voilà, ça pour être parfaitement exact. Emmanuel Paquette, quel est ton coup de cœur ce soir? Bah, en fait, c'est une application qui sert strictement à rien, qui s'appelle Talking Ben. C'est un chien qui parle quand on lui parle, qui répète ce qu'on lui dit sur l'iPhone, mais c'est surtout qu'il a un petit journal, une marionnette miroir. Il a un petit journal sur lequel il dit qu'il est adoré, par Steve Jobs. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à Steve Jobs. Et c'est vendu, c'est gratuit? C'est gratuit. C'est gratuit. Emmanuel Torregano, ton coup de cœur ce soir? Moi, c'est une application, un jeu, comme l'a dit Phil Schiller, les jeux, c'est hyper important. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien. Oui, on voit très bien. Voilà, il s'appelle Girop 13, je crois, un truc comme ça. Ouais. Son intérêt, pourquoi ce jeu fait date aujourd'hui, c'est parce qu'il est un des rares à utiliser le fameux moteur Unreal, développé par Epic, qu'on avait déjà vu dans Infinity Blade. Infinity Blade, c'est une application formidable également qui sert à faire des jeux de combat d'épée. Il paraît qu'ils en ont vendu 20 millions, d'après ce que j'ai vu dans la keynote. Et là, c'est un peu le deuxième gros jeu sorti avec ce moteur de rendu 3D super vachement bien. Je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais c'est vraiment super vachement bien. Et l'application vaut quelque chose comme 5 €, je crois. Vraiment, jetez-vous dessus juste après avoir dépensé le reste de votre argent en action Apple, évidemment. Oui. Cédric, du Japon, quel est ton coup de cœur ce soir? J'en ai deux. C'est des choses vues ici. Je suis désolé, il n'y a pas d'image. C'est des choses qu'on a découvert à Seatech aujourd'hui. Des applications mobiles qui sont assez œcuméniques, hein, Android, iPhone. Une qui est faite par Mitsubishi pour l'information des voyageurs. C'est extraordinaire. Imagine une appli qui te dirait non seulement tu veux aller de telle gare à telle gare, tu vas prendre telle correspondance, tel train, mais qui te dirait tu vas rentrer dans la voiture numéro 7 du train pour bien sortir devant le bon escalateur qui va t'emmener à la bonne correspondance. Et d'ailleurs, peut-être pas la voiture 7, parce que dans la voiture 7, il fait 22 degrés et la climatisation marche pas très bien. Qui va te dire en plus les coefficients de remplissage, il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de monde, etc. Tout ça en te donnant en plus de l'entertainment sur ton app. Non, vraiment, c'est remarquable. Il se passe des choses en termes applicatifs. Enfin, en même temps, on est dans un pays où, la mobilité RN depuis longtemps, la 3G, et puis alors les infos sur les transports, je ne vous en parle même pas. Mais je crois que Rodrigo a une idée. Rodrigo, un coup de cœur? Je n'ai pas utilisé ton appli. Il y a une appli formidable où j'oubliais le nom, genre Hyderabad. Hyperdia, mais ça c'est l'appli qui vous permet de regarder les billets de train. Pour l'instant, c'est ce qui existe aujourd'hui. Tu m'avais parlé de Viber, Rodrigo. Tu m'avais parlé de Viber. Lance le jingle, Viber, je vous en ai déjà parlé deux ou trois fois au moins. C'est ce qui vous permet d'envoyer des SMS et appeler les gens un peu à la Skype, mais par de la data. Donc quand vous êtes en roaming comme nous, super loin, super cher, vous êtes uniquement en data en vous branchant sur les Wi-Fi du coin et ça marche pareil, c'est top. Mais le coup de cœur de ce soir, j'ai découvert hier, c'est vachement bien. C'est pour vous endormir tout à l'heure, pour ceux qui nous ont regardés en live, avec plaisir et un sourire. Je vous conseille sur Spotify, l'excellent Spotify, service de musique en ligne. Album pas récent du tout, mais excellent album de Dave Brubeck qui s'appelle Jazz Impressions of Japan. D'accord. Impressions of Japan, Dave Brubeck. Vous savez, c'est le garçon qui faisait avec son quartet. Ah ouais, je connais bien. Mon coup de cœur de mon côté, d'abord, c'est ça. Je vous l'avais déjà montré lors d'un précédent épisode d'On refait le Mac. C'est l'application iPad d'On refait le Mac. Voilà, et autopromo qui devrait arriver. Arriver très prochainement sur l'App Store. Donc, vous pourrez regarder en plein écran et en haute définition sur votre iPad les podcasts chaque semaine et vous serez prévenu en temps réel. Via des alertes push, de la mise en ligne, des nouveaux épisodes. De toute façon, c'est facile, c'est tous les samedis matins. L'autre coup de cœur que j'ai eu cette semaine, c'est pour une petite borne Wi-Fi, ça s'appelle le Domino. Cédric me l'avait déjà présenté, ça c'est l'ancienne version avec ce que vous voyez à l'écran, avec il n'y a pas d'écran graphique, il y a juste des petites loupiottes. La nouvelle version est équipée d'un écran graphique, elle permet de voir quel est le réseau qu'on utilise, elle permet de voir le nombre de gens qui sont connectés simultanément sur le réseau Wi-Fi, bien que Emmanuel me glisse à l'oreille, c'est nul, non, c'est super.
Il y a une batterie qui vous permet de rester connecté près de 5 heures. Voilà, en clair, ils ont corrigé un produit qui était déjà formidable. Dommage qu'Orange ne le fasse pas un peu plus connaître. Certes, il y a des fonctions qui permettent de partager sa connexion Wi-Fi avec un iPhone, mais c'est un abonnement et ça coûte moins cher finalement de prendre aujourd'hui un Domino 2 que de prendre l'option iPhone Wi-Fi pour pouvoir se partager. Oui, mais c'est dégueulasse, ça. C'est les Chinois qui les font. Et pourquoi l'iPhone, c'est qui le fait, à ton avis, aujourd'hui? Non, mais que Orange se permet de faire des tarifs différents pour le même service, je trouve ça absolument étonnant. Alexandre, je vais y arriver. Des 5 gagnants ce soir pour une application FIFA 2012 sur iPhone et iPad. Alors déjà, la bonne réponse, ce n'était pas un Infinite Loop, mais 4 Infinite Loop à Cupertino. C'était donc un piège. C'était, oui, un petit piège. Et donc, on a effectivement nos 5 gagnants. Le premier d'entre eux s'appelle Mr. Jod, le deuxième c'est LGS Note, ou IGS Note, pardon, le troisième Sinclair CLS, le quatrième The Little Idiot 4 et le cinquième Tracrium. Voilà, tous les cinq, vous avez gagné une licence FIFA 2012. Voilà. Merci. Si vous aimez le foot. Merci et bravo à eux, ouais, en effet. Voilà, je crois que c'est le moment de conclure cette émission après près de, je crois que j'ai plus de batterie là moi du coup, on a exactement 2h20, presque 2h19 minutes, presque 2h20 d'enregistrement. La puissance d'iPad. Je tenais, il ne faut pas oublier les gens qui nous ont aidés à faire cette émission quand même, et ils sont nombreux. Tout d'abord les équipes techniques de View, on en a répété plusieurs fois lors de cette émission, mais vraiment ils ont été formidables. Ils ont pu nous fournir non seulement leurs compétences et leurs moyens techniques, mais ils nous ont su nous rassurer avant le début de l'émission que tout se passerait bien et tout. Ça, a priori, c'est bien passé. On a un petit coucou, mais on le dira après, c'est prévu. Donc un grand merci à Arnaud Barbier qui nous a accueillis ici. Un grand merci à Marine qui est en régie, à Benjamin qui est au son, et également à François Bontemps qui, chaque semaine, réalise et monte On refait le Mac pour qu'il soit disponible tous les samedis matins. Un grand merci également aux équipes d'Amalia et de Loudis, à savoir Aude Perdriel et Guénel Agnès, qui sont beaucoup aussi dans Refait le Mac aujourd'hui. Et sans oublier les équipes d'iCreate, avec mon acolyte Alexandre Lenoir, bien sûr, et notre iChef, Nicolas Gosselin, qui est en régie, vous ne le voyez pas, il se cache toujours, il ne veut jamais qu'on le reconnaisse dans la rue, je ne sais pas. Sans oublier Ignatius, David ou encore Valérie. J'oublie pas les équipes de Minotaur qui nous ont réalisé ce joli générique. Il y a un nouvel habillage dans Refait le Mac, il était prêt à temps. Pour ce direct, on est ravis. Et bien sûr, merci à mes deux autres acolytes, Emmanuel Paquette et Mehmet Regano. Et mes amis qui me supportent à longueur de mois et qui sont aujourd'hui à Tokyo, à savoir Cédric, et Cédric Ingrand de LCI, et Rodrigo Sepulveda Schulz. Et on a un petit message en direct. Et l'excellent, absolument excellent Guigui, oui, qu'on appelle ici. Guillaume de la Lande qui est la technique au Japon. Qui nous prête sa chambre, donc il ne peut même pas dormir parce qu'on est chez lui. Voilà. Et donc maintenant, on se donne rendez-vous le 11 octobre prochain pour suivre en direct la keynote de Google et de Samsung pour le reveal du... Non, ce n'est pas ça. Non, parce qu'il faut bien aller chercher l'innovation là où elle se trouve. Et apparemment, cette semaine, enfin bref. Voilà. Mais on était contents d'être là. On va quand même être contents d'aller se coucher parce qu'ici, il est 4h01 du matin. Voilà. Et pour conclure... Breaking news sur Twitter quand même, pareil que la nouvelle fonctionnalité Siri d'Apple. En fait, c'est un call center en Inde. D'accord, c'est super. C'est drôle. Et pour conclure, je ne peux pas oublier le grand absent de ce soir, à savoir Monsieur X, hein, c'était ancien responsable d'Apple qui avance visage majesté, qui ne pouvait pas être là ce soir et que vous retrouverez dès la semaine prochaine avec une mission encore un petit peu exceptionnelle puisque l'invité sera Jean-Michel Jarre. Et d'ailleurs, il nous fait un petit coucou sous Twitter. Et voilà, donc on l'embrasse. Il nous embrasse, il vous embrasse et nous aussi. Voilà, tout le monde, vous avez la classe, ben c'est gentil. Voilà, messieurs, c'était un vrai plaisir de vous avoir en direct. C'était un peu long, 2h21 de direct, record battu à nouveau, merci Apple. Espérons que la prochaine fois, il y aura quand même des choses un peu plus excitantes. On verra. À la semaine prochaine, générique.